comprenant, pasteur écoute Samuel. Pasteur écoute Samuel bat trop le petit mais. Pasteur écoute Samuel bat trop le petit mais. Bah si on le connaît mais d'aucun bobo mais. Jésus m'a dit, il dit au pasteur écoute Samuel de se repentir. Écoute Samuel de se repentir et d'enseigner selon la sainteté et l'humilité. Jésus lui dit qu'il prépare l'esprit mammon, l'amour d'argent. Prêchez le message de la bénédiction. Qui ne reçoit pas la révélation, s'il ne reçoit pas ce message, il va se retrouver en enfer. Écoute Samuel, ce message qui te parvient par moi, Jésus qui suis venu mourir pour toi, pour que toi tu puisses vivre, si tu écoutes ce message, tu le rejettes. Et pris par l'esprit mammon, l'argent. Si tu n'enseignes pas selon la sainteté, la justice, enseigner les femmes d'être justes, de laisser tout ce qui est charnel, des parures, les parfums, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que si on veut lier l'homme et la femme, de le confirmer par une bague de mariage. Où est-ce qu'il est écrit? C'est cette question que moi je t'envoie, moi Seigneur Jésus. Prêche aux femmes de s'humilier, de se soumettre. Mais ce que tu veux maintenant, c'est que tu veux que ton nom soit élevé, ton nom soit élevé. Celui qui a fondé l'église, tu cherches à faire ce que son nom soit rehaussé. Tu es orgueilleux, tu dis que ton message intéresse les gens. Sans la sainteté, nul ne verra les ténèbres. C'est ce message que je t'envoie. Tu peux parler en langue, si tu n'enseignes pas selon la sainteté, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu ne crois pas aux révélations, tu ne parles pas à ce message qu'on t'envoie. Crois, reçois ce message et repars en toi. Va à genoux, demande au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ce message? Si c'est lui, il va te parler et tu vas te repentir. Les Brotherhood, ils sont en train d'adorer Satan. C'est un temple satanique, démoniaque. Il y a des sorcelleries. Les sorcelleries, les esprits des sirènes. Brotherhood, ça, c'est leur église. Le pasteur Sodi Gabriel, le Seigneur Jésus a dit qu'il ne te connaît même pas. Tu t'es appelé, tu t'appelles apôtre, pasteur, tout le nom, tout. Arrête de te coucher avec les filles, les mensonges, les tromperies. Esprit de python, esprit de sirène, esprit de vaudou, arrête. Seigneur Jésus, il t'envoie ce message que tu te repens. Laisse les âmes venir à moi pour que je puisse les nourrir avec ma parole. Et que toi-même, tu arrêtes d'arracher, de se coucher, de te coucher avec les femmes d'autrui. Pour que la femme que tu vas te marier, pour que tu l'enseignes ce qu'il faut. Les femmes se dépigmentent. Et tu vas voir une femme noire devenir comme une blanche. Et tout ce qui dit que Dieu a passé par lui, il m'a béni. Tu dis que tu grossis. Quand tu y arriveras en enfer, tu vas regretter une seconde. Jésus me dit de dire à sa fille, la sœur Marie Ouliki, des assemblées de Dieu, si il m'aime, qu'elle fasse ma volonté. Celles qui viennent au ciel, ce sont ceux ou bien celles qui font ma volonté. Si elle-même, elle fait ma volonté, qu'elle se repent. La récréation est terminée. Est-ce qu'elle veut se plaire à l'homme? Parce qu'elle est la présidente des femmes dans les assemblées de Dieu au Togo. Si c'est les pousses qu'elle veut, les grandes pousses, après la mort, c'est l'enfer. C'est le moment. Si elle veut retourner en arrière, elle va devenir comme la femme de Lot. Jésus pleure et dit, Marie, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, efface mes larmes. En disant la vérité,
aux femmes des assemblées de Dieu que elles sont nues, elles sont nues, elles sont nues, que lui Jésus a quitté depuis l'assemblée de Dieu, qu'ils ont déjà pris un autre esprit dans l'assemblée de Dieu, que les femmes laissent le port des mèches, des boucles d'oreilles, des faux ongles, des faux cils, des collants, des mini-jupes, des perles, la dépigmentation, le port des bagues de mariage, toutes ces choses-là, que ce n'est pas seulement le cœur que Dieu voit. Dieu voit le cœur et le sérieux. De sortir des églises, des assemblées de Dieu, c'est moi, Jésus, qui lui envoie ce message. De sortir de là, de venir au ciel. Car son retour est proche. Quel sera-t-il d'avoir le bien de ce monde et perdre son âme? Que sera-t-il à un homme de posséder tout ce qu'il possède? Elle est partie chercher la face du Seigneur. Et Dieu, le Seigneur lui a parlé. Elle seule sait que ce que je lui ai dit, ça vient de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec lui. Car le Seigneur dit que c'est sa fille et elle l'écoute. La manière dont maman Wiliki a cherché la face du Seigneur, qui est le pasteur à qui viennent ces messages? Chercher la face de Jésus, chercher la face de Dieu. Prier. Marie a dit que premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième jour que Dieu lui a parlé, que ce que je lui ai donné vient de lui. Priez vous aussi, vos pasteurs, et demandez à Dieu de savoir si ce message vient de lui. Cherchez sa face, il va vous parler. Je demande que Dieu fasse grâce, lui fasse grâce. Ce n'est pas seulement qu'elle est sortie des assemblées de Dieu, mais qu'elle fait la volonté de Dieu pour qu'elle puisse amener les femmes vertueuses en Afrique, au Togo, vers le Seigneur Jésus-Christ. Que ce que tu as dit, maman Wiliki, cette parole soit accomplie dans ta vie. Mais je te demande, pour que tu ailles à quelque part, demande la volonté de Dieu avant d'y aller. Si tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, tu es contre la volonté de Dieu. Prie, demande la volonté de Dieu avant de bouger. Et je pense qu'à travers ton exemple, Dieu te voit. Et la manière tu vas faire l'œuvre de Dieu au Togo, en Afrique, dans le monde entier, c'est dans la main du Seigneur. La manière dont tu l'as écouté, il va t'écouter, il va te conduire. Jésus m'envoie de dire à l'assemblée chrétienne de se repentir. Ce n'est pas seulement enlever seulement les boucles d'oreilles et c'est fini. Le cœur, il y a encore beaucoup de choses dans le cœur. Ceux qui font les faux cheveux avec des laines, qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. Car les gens permettent encore aux démons de rentrer dans leur cœur. Qu'ils se repentent et qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité pour qu'ils puissent avoir part dans le royaume des cieux. Pas qu'ils fassent comme les gens le veulent, mais qu'ils le fassent comme lui Jésus leur dit. Ceux qui défrisent encore leurs cheveux en cachette, des culottes, Jésus envoie ce message au gré de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les momones, ils portent des chemises blanches, pantalons noirs. Ils sont des antichrists. Les mormons, ils sont des antichrists. Tous ceux qui vont dans cette église sont des antichrists. Celui qui a fondé cette église, c'est un agent du diable. Tous ceux qui vont à cette église, ce sont des loups ravisseurs, les mormons. Ce sont des lourds ravisseurs. Sortez de là. Ils amènent les âmes en enfer. Jésus m'a dit de dire à tous ces gens qui sont dans cette église, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, sont des antichrists. Vous les voyez comme des blancs, que les blancs, ils prêchent bien. Satan est en train de les préparer pour l'arrivée de l'antichrist. Quand tu es là-bas, tu es déjà directement en enfer. Jésus veut que tu quittes là-bas. C'est pourquoi tu écoutes ce message. Sors ce message. Au Togo, en Afrique, partout dans le monde entier, où se trouve cette église. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là le plus vite possible. ARS. Cette église, ARS, c'est l'église de la sorcellerie, des démons, des sectes.
ils disent Dieu, ils apprennent, tu crois, tu penseras que c'est Dieu. Ils se couchent les yeux avec les autres, l'esprit de l'adultère. Dans ARS, c'est tous ceux qui seront dans ARS, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Car Satan, c'est Satan qu'ils adorent là-bas. Et ils font semblant, ils construisent des écoles, des puits, des forages, et les gens les suivent aveuglement. Si tu es dans ARS, quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Sans arrêt, sans pitié, sors de là avant qu'il ne soit trop tard. ARS. Quand tu veux bien comprendre les choses, le livre va sortir. Tu vas voir, tu vas lire de A à Z. Dans ce témoignage dont je suis en train de vous donner, dans le livre, tout est écrit mot à mot. Révélation divine. Éternel, l'œil de l'Afrique, 24 heures de l'au-delà. L'éternel Dieu a parlé. Regardez, moi, je vais manger, puis venir commencer à dire ces choses. Qu'est-ce que je vais trouver, telle chose déjà? Les gens vont dire qu'ils cherchent l'argent. Quel argent? Pour l'amener où ça? Au ciel, il n'y a pas l'argent. Le gars là, c'est un escroc. Moi, je l'ai une fois donné de l'argent. Moi, je vais te dire que je n'ai jamais trouvé personne qui peut me donner de l'argent sur cette terre. C'est Jésus seul. C'est pas que quand tu vas me donner quelque chose, c'est fini. Quel argent? La vie éternelle. La vie éternelle. Si quelqu'un dit qu'il m'a une fois donné de l'argent, moi je m'en moque de lui. Que moi j'achète de l'argent, moi je m'en moque de lui. J'ai vécu dans le monde. J'achète quelque chose, j'ai pas acheté quelque chose 10 000. Je peux le vendre à 500 000. Si je prends ces 500 000 pour réacheter quelque chose et revendre. Mais si je mourais dans cet état, je devais aller en enfer. J'étais perdu. Mais Jésus m'a choisi d'aller annoncer sa parole. J'ai escroqué les gens. J'ai me couché avec la femme des gens. Fille et maman. Personne n'a jamais dit que je suis agent de Satan, que je suis menteur. Maintenant, quand Jésus m'a appelé de dire sa parole, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, les gens sont en train de me persécuter. Mais si quelqu'un dit cela, tu es en train de, ça te regarde. Ce que tu es en train de nier, tu vas le retrouver certainement. Jésus m'a dit de dire à Anani Martin de se repentir, d'arrêter ses enseignements mensongers, ses enseignements sataniques. Sinon, s'il meurt, il va aller en enfer. Jésus a dit de dire à Anani Martin d'arrêter ces choses qu'il est en train de dire, qu'il prépare sa maîtrise ou quoi que ce soit. Il enseigne aux gens qu'il est écrit avec étymologie grecque, que quelqu'un a fait apporter culotte, et quelqu'un a dit panta, et quelqu'un ils ont ajouté le long, et que panta, qui veut dire culotte, plus long, ça veut dire culotte long. Des enseignements diaboliques, sataniques, des enseignements théologiques, qu'il faut qu'ils s'y repentent. Il faut qu'ils disent la vérité aux gens. Si les gens, les enfants de Dieu ont écouté la vérité, il a l'esprit de crocodile, il commence à mettre du bruit, du désordre parmi les gens. Anani Martin, le Seigneur Jésus t'envoie que tu es un agent du diable, antichrist, des enseignants des démons. Il faut que vous vous repentez et enseignez les femmes de ne pas porter les pantalons. Autant des tomtonnes. La manière dont vous enseignez aux gens de ne pas porter des pantalons, des mèches, des vernis. Il faut que vous reveniez en arrière et enseignez aux femmes. Si quelqu'un est dans la salle de Dieu, s'il est sorti, il devient automatiquement votre ennemi. Vous le prenez en rancune, le démon, l'esprit de la franc-maçonnerie que vous adorez. Vous êtes couvert de la peau et de brebis, mais vous êtes des loups ravisseurs et vous amenez toutes les âmes en enfer. Depuis là qu'il t'a appelé, tu n'as même pas gagné une âme pour lui. Quand il est temps, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Oublie toute ta force, ton argent, tu n'es rien. Même une fourmi est plus grosse que toi. Il faut que toi, Anani Martin, tu te repens. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Jésus m'envoie ce message à tous les assemblées de Dieu, que si quelqu'un a péché, la personne devienne leur ennemi. C'est l'ennemi satanique que le diable a
a mis dans les assemblées de Dieu. Si vous le voyez, vous ne le disiez rien. L'esprit satanique est en lui. Tous ceux qui font ces choses-là, s'ils meurent, ils vont aller directement en affaire. Repentez-vous avant que je ne vienne. Enseignez aux gens la sainteté. Enseignez la sainteté parfaite aux femmes. Car sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. C'est écrit. Repentez-vous. Il faut qu'un ami garçon enseigne, conseille la sainteté. Il ne faut pas que les femmes vivent comme les gens du monde. Jésus dit de lire Luc chapitre 1, 75. Parce que la théologie dit que l'homme ne peut pas être saint. Mais lui, il dit que l'homme doit être saint. Soyez saint comme je suis saint. Que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Que on doit rester dans la sainteté absolue, sans tache ni ride. Il n'a qu'à s'humilier qu'on l'enseigne pour qu'il commence à enseigner comme il veut. Ils ont tué les âmes avec la théologie. Ils ont détruit les âmes avec la théologie. Il est temps qu'ils retournent à la parole, à la source vive, à la parole de Dieu. Et Jésus m'envoie dire au diacre des assemblées de Dieu, le blanc, qui est diacre à Nier, au Togo, que ils ont formé un cercle sectaire de la franc-maçonnerie qui font tout pour tuer les hommes, envoyer les hommes en affaires. Qu'il est temps qu'il se repent. Il a créé une boutique de vente des mèches, des produits de la décimangration. Ceux qui sont en Nier là-bas, qui sont dans l'église des assemblées de Dieu, s'ils meurent, ils vont aller en affaires car ils ont vendu l'église aux démons. Ils sont en relation avec les musulmans. Et ils sont là-bas, ils sont dans le club. Tout la manière dont ils doivent faire pour trouver de l'argent et trouver les âmes, perdre les âmes, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils se repentent le plus tôt possible. Que sans la sainteté, s'ils meurent, ils vont aller directement en affaire. Je ne sais pas celui qui va les délivrer là-bas s'ils meurent. Sans la sainteté, il faut que les femmes jettent toutes ces choses-là. Les culottes, les boucles d'oreilles, les chaînes, les perles, les bagues de mariage, les collants, les vernis, la dépigmentation, les plaignines familiales, tout. Il faut qu'ils les condamnent. Il faut qu'ils arrêtent d'apprendre ces choses. Que tous ceux qui m'écoutent, ça la tête ne peut arriver au ciel. La trompette peut sonner n'importe quel temps. Les miracles ne peuvent pas nous amener au ciel. Pourquoi Jésus est venu? Les pasteurs, écoutez. Jésus est venu payer le prix pour nous. Il est venu. Regardez comment on l'a maltraité. On l'a traité. On l'a couronné avec des épines. Et vous voulez que ça soit vain à cause de votre ventre et vous êtes devenus des antéchrists de Jésus, des ennemis de Jésus. Jésus veut que vous vous repentiez. Il est temps. Tous ceux qui font la calomnie, les murmures, tu es conseiller d'une église, du président, d'un ministre, d'une église ou bien de quoi que ce soit. Je ne sais pas, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien. Toute la terre est néante devant lui. Alors il est temps que tu écoutes la parole de Jésus, que tu te repens. Il est temps que tu te repens. Si tu t'en vas en enfer, tu vas regretter de dire à tout le monde, et je le sais que j'ai pas eu peur. J'ai peur de celui qui va tuer mon âme et mon corps. Mon âme et mon corps dans la gêne. La parole de Dieu est devenue du feu en moi. Parce que la parole de Dieu, c'est sa parole, est du feu. Si quelqu'un veut me soulever, sa reine sera décalée. Il est écrit que tout instrument de guerre forgé contre moi sera sans effet. Jésus ne veut pas qu'aucune âme aille en affaire. Jésus ne va pas se taire que les âmes aillent en affaire. Toutes ces pharaons qui sont devenus des pasteurs, les Nebuchadnezzar qui sont des pasteurs, sachez-le que s'il y a des pharaons, il faut savoir qu'il y a des Moïse au Togo. Si vous êtes des Nebuchadnezzar, des Goliath, il faut savoir qu'il y a des Meshach, Mesach et Abednego. Il est temps que tous les chrétiens se lèvent dans la puissance de la vérité, de dire la vérité de A à Z. Si on appelait Jésus-Christ Baseball, on peut nous donner n'importe quel nom au nom de la vérité, mais prêchons la vérité telle qu'elle est écrite. La vérité pour que le monde s'ouvre de connaissances, pour que les yeux des pécheurs s'ouvrent. Repentons-nous, arrêtons-nous
d'utiliser nos propres forces pour travailler. Jésus dit qu'il n'a pas appelé certains, mais ils utilisent leurs propres forces pour se faire son travail. Jésus m'a dit de dire à Fiagbe Gilbert de se repentir. Fiagbe Gilbert de se repentir. Avec son soi-disant et littéraire, que tout cela c'est du poubelle. Avec toutes ces choses insensées qu'il est en train de faire. J'ai fait la théologie, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu telle licence, maîtrise. Que tous ceux qui font la théologie, ils sont en train d'adorer Satan. Si ils n'arrêtent pas ces choses-là, de calomner ses envoyés, qu'il est en train de les envoyer, s'il est en train de calomner mes serviteurs que j'ai envoyés, il est en train de me calomner. Il va voir ce Togo, il va fuir le Togo. La manière dont il a parlé à Nabucodonosor et il a rentré dans la brousse pendant 7 ans, Jésus, ce Dieu, encore aujourd'hui, si je veux parler à lui, il va rentrer dans la brousse, il va croire à cette révélation avant de revenir. Il faut qu'il se repent. Il faut qu'il se repent. S'il ne se repent pas, ce serait difficile pour lui d'entrer comme il est en train de le persécuter. Qui n'a qu'à retourner dans l'église où il était, d'aller faire les restitutions et qu'il soit enseigné. Il n'a qu'à retourner là-bas, qu'il soit enseigné. Tout ce qu'il y a part de l'église avec lui, qui n'a qu'à tout restituer. Et qu'il retourne sur tous les médias, s'engenouiller, demander pardon, que tout ce qu'il a dit, le cœur qu'il a endurci en disant que ceux-là, ce sont les sirènes qui les utilisent, de les pardonner. Il a péché comme Jésus. S'il n'a pas fait ça, là, il va venir en affaire et il va le faire fatiguer. Mais il ne peut pas quitter là-bas. S'il rentre en affaire, il va croire l'enfer. Il va croire la révélation. S'il lève le feu, les vers, le mordent là-bas, il va croire. Il est en train de dire aux gens que l'enfer ne fonctionne pas encore. Le Dieu dit que ses voix ne sont pas les nôtres. Il faut qu'il se souvienne la manière dont où on a mis Sadrat, Meshat, Abednego dans le feu. On a réallumé le feu 7 fois. L'enfer fonctionnait depuis. Lui-même l'avait donné une parabole concernant Lazare et puis le riche. Et quand Lazare est mort, Lazare est parti au ciel et le riche était parti à l'enfer. Que l'enfer existe depuis. Je veux, moi Jésus, qu'il retourne à l'église qu'il était pour être enseigné, pour qu'on lui enseigne comment est-ce que les femmes doivent vivre. Ce qu'il a endurci, qu'il voulait envoyer aussi à l'enfer, qu'il se repente. En tant que cet antéchrist qu'il est temps qu'il se repente, qu'il lui donne Jésus toute sa vie entière, qui ne veut pas qu'il aille en affaire, qui se repent, qui s'humilie, qui ne connaît rien que le fait de parler le français, ou bien il a fait la théologie ici, ou bien il a fait la théologie ici, c'est pas ça qui est le ciel, qui se repent, qu'il n'a qu'à savoir que la théologie tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie, la théologie tue, la théologie est en train de tuer les gens. On est en train d'écrire, on est en train de dire en théologie que l'homme ne peut pas être saint, que l'Esprit Saint s'est arrêté au niveau des apôtres. Mais lui, Jésus, il veut le dire que le Saint-Esprit continue encore à travailler aujourd'hui. Que tous ceux qui vont l'invoquer, le Saint-Esprit va les utiliser. Qu'il est aveugle et il conduit tous ceux qui le suivent aveuglement. Le diable les a aveuglés et les conduit tous en affaire. Quel ciel allez-vous? Quel ciel allez-vous? Si tu te dis papa, tu vas te retrouver en affaire. Fiagbe Gilbert, tu fais trop papa. Tu fais du bruit. Ton souffle, c'est dans la main de Jésus. Quand il les pince comme ça, c'est fini pour toi. Repends-toi. Si tu ne te repens pas sur la voie étroite, si tu meurs, tu vas aller en affaire et tu vas regretter. Mais Jésus m'a dit de te repentir.
Repends-toi et enseigne la sainteté sur les médias. La manière dont l'homme, la femme doit vivre selon la parole de Dieu, enseigne-le. Sinon, si tu meurs, tu vas regretter. Ta place en enfer serait différente des autres. Quand tu empêches les gens de venir au ciel, lui-même, il va te faire dégager. Mais il s'envoie ce message. Mais si tu es contre ce message, malheur à toi, si tu te lèves contre ce message, repens-toi et crée-le, crée-moi. Vous êtes des insensés actuellement. Jérémie 5, verset 21. Vous me voyez comme moi et votre égal. Vous me voyez comme c'est vous qui m'avez mis au monde. Ou bien c'est vous qui me conseillez. C'est vous qui m'aviez conseillé avant que j'ai créé le ciel et la terre. L'homme, si tu ne te repens pas, je vais parler. Si je te parle avec ma colère, tu ne peux pas supporter. Et je t'ai averti. Mais continue. Qu'il est en train d'attendre tes rumeurs. Qu'il est descendu, voici, voir, pour voir réellement si ce que tu es en train de dire est vrai. Et il a vu que tout ce que tu es en train de dire est vrai. Mais il veut que tu viennes au ciel. Mais écoute mon message et repars-toi. Va prier, demande au Seigneur Jésus, demande-le si ce message vient de lui et humilie-toi. Sinon, tu ne peux pas être contre la parole de Dieu. Si ce que je dis en train de dire vient de Jésus, tu ne peux pas le contredire, tu ne peux rien. Mais si ça vient de moi, tu peux tout faire. Mais si ça vient de Jésus, si tu veux combattre Jésus, tu veux te faire du mal. Car il a l'épée. Ne permets pas que Jésus utilise l'épée. Moi, je t'enseigne. C'est de la vérité que je te dis. Et il est temps que toi et moi, on se repent. On n'est pas encore mort. On a encore l'espérance de se repentir. Mais si tu t'envoies sur les médias et tu dis que c'est du mensonge, si tu meurs, tu verras si c'est du mensonge ou pas. Mais quand tu rentres en enfer, tu ne peux plus retourner en arrière. Et c'est pourquoi je t'appelle, pour qu'on puisse se repentir et faire l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont hors du Togo, c'est leur message. Le Seigneur envoie ce message à évangéliste Reinhard Bonnke, USA. Oh, il fait du miracle, les gens le suivent. Quand tu vois la maison de Bonnke au ciel, tu seras déçu. C'est une maison inachevée. Quand tu vois la maison de Bonnke, c'est désolé. Jésus dit, va dire à Bonnke que ce n'est pas seulement miracle, 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 miracle. Non, 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 ça ne veut rien dire. Il est en train de dire qu'il est vieux, qu'il va prendre retraite. Jésus lui dit de se relever très vite, d'arrêter toutes ces mauvaises compagnies et de revenir sur la voie étroite et d'enseigner aux gens qui portent les bagues de mariage qu'ils vont aller en enfer. Celles qui sont africaines ou bien quoi que ce soit, ils portent pantalon, collant, vernis, des faux cheveux. Qu'ils vont tous aller en affaire. Les blancs, les européens qui vont à l'église, qui ne se couvrent pas la tête. Si elles meurent, elles vont aller en affaire. Qui n'a qu'à prendre la sainteté? Les gens crient miracle, 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 miracle. S'ils meurent avec les miracles, où est-ce qu'ils vont aller? En enfer. Jésus a dit que depuis qu'il a créé Bonnke n'a pas encore amené une seule personne au ciel pour lui, que son retour est arrivé. Qu'il fasse réveil concernant la sainteté, que le retour de Jésus est proche. Bonnke sera surpris quand je reviendrai. Il ne me verra pas. Mais il faut qu'il se repente. C'est le moment, c'est le temps. Jésus m'a donné une révélation concernant Paul Rica du Nigeria avec Linda au Sierra Leone. Paul Rica, je l'ai vu tenir une fleur, donner ça à une femme. Sierra Leone. Et Jésus m'a dit, l'homme se trouve au Nigeria, la femme se trouve au Sierra Leone. Ils vont venir au Togo. Quand ils vont venir au Togo, dis-leur qu'ils sont les mariés. Ils ne seront plus des frères et sœurs. Effectivement, le jour que Jésus m'a dit, ils sont venus au Togo. Le jour que je vais les rencontrer, Jésus m'a dit, c'est un vendredi. Et le vendredi, c'est un vendredi là. Là où Jésus m'a dit d'attendre, j'étais parti d'attendre là-bas. Et quelqu'un venait me voir que Paul Rica te cherche. Ce qu'il Jésus m'a dit, je leur ai dit que je vois que Paul Rica a donné une fleur à Linda
Ils sont devenus une seule chair. Ils ne sont plus frères et sœurs. Et je leur ai dit, quand je leur ai dit, Paul Ricard ne croyait pas. Il n'a pas reçu le message. Et le Seigneur m'a encore montré, donnant comme une révélation. Paul Ricard et Linda, ils sont sur un cheval blanc avec une fleur. Et ils ont des couronnes. Et je leur ai encore dit ça. Quand ils témoignent partout, ils en vont. La manière dont le Seigneur Jésus-Christ les entoure avec son feu et les anges. J'ai vu ça, je leur ai dit ça. Et Paul Ricard ne croyait pas. Il ne croyait pas. Quand j'ai dit ça au coordinateur du Togo, quand il leur a dit ça, ce que le coordinateur m'a dit, il m'a dit, on va prier. Ils vont recevoir ça. Ils vont croire. Et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi qui m'as révélé ceci, la trompette ne va pas sonner. Ils vont se marier, je vais voir. Un jour, je suis encore dans mon sommeil, le Seigneur a encore parlé à mes oreilles. Que tout ce qu'il me dit, ça va compléter. Qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Il n'a pas changé. Il est celui qui est là. Et c'est arrivé. Ils se sont mariés. Et on m'a invité à Abuja. Je suis parti témoigner là-bas. Et malheureusement, le Seigneur m'a dit de leur dire qu'au cours de l'accouplement de la femme et de l'homme, si la femme monte l'homme, s'il meurt, la femme va aller en affaire. L'homme qui utilise du condom, ceux qui font des injections pour interrompre les grossesses, les IVG, celles qui prennent des pilules, ils vont aller en enfer. Je leur ai dit ça, ils me disent non, ça je ne peux pas accepter ça. Si Dieu t'envoie vers moi pour que tu sois en dessous de moi, tout ce que moi je vais te dire, tu dois m'obéir. Et j'ai dit non, pas question. Ce que j'ai écouté, j'ai vu, c'est ça que je dois dire. Tu vas voir qu'aujourd'hui, que Paul Ricard, il ne reçoit plus les révélations. Paul Ricard pense qu'il les connaît plus que Jésus. Il pense que sa connaissance est plus que celle de Jésus. Il croit que ce qu'il est en train de dire, c'est fini. C'est Paul Ricard qui conseille Dieu. Paul Ricard veut aider Dieu. L'homme ne peut pas aider Dieu. Les condoms, les finidoms, tu vas aller en enfer. Tu fais des injections pour interrompre les grossesses, les pilules, tu vas aller en enfer. C'est sur des poisons. Il veut travailler avec la sagesse humaine. Il m'a demandé si il arrivait que tu t'es marié et puis la femme a une maladie ou bien une plaie dans le sexe. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est plus le pur, le meilleur et le pire qu'on se marie. Et Jésus, est-ce que Jésus ne peut pas guérir? Et il fortifie les gens. Que la femme de monter l'homme, que si la femme et l'homme sont dans la voiture, si la femme est fatiguée, l'homme est fatigué, la femme doit prendre le relais pour conduire la voiture. De l'abomination. Il est en train de réagir avec la sagesse humaine. Moi, je leur ai dit ça, ils ne croyaient pas. Et j'ai dit, Jésus, ce que tu m'as dit de leur dire, je leur ai dit, ils sont contre. Et Jésus m'a montré une révélation. J'ai vu que j'étais sur une montagne. Et en dessous de montagne, il y avait des démons. Mais si je veux sauter, il faut que je saute au nom de Paul Ricard. Et je leur ai dit, je ne peux pas sauter au nom de Paul Ricard. C'est Jésus seul qui est venu mourir pour moi. Un homme n'est pas venu mourir pour moi. Et ils m'ont dit, si tu es homme, saute au nom de Jésus, tu vas voir. Et je leur ai dit que je vais sauter au nom de Jésus. Et ils m'ont dit, si tu es homme, saute. Et je leur ai demandé, pourquoi ils me demandent de sauter au nom de Paul Ricard? Et ils m'ont dit, tu veux être plus intelligent que nous. Saute, on va voir. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai sauté. J'ai sauté de la montagne. Il y a des démons qui se sont lancés vers moi. Et j'ai commencé à dire, Holy Ghost Fire, au nom de Dieu, le feu de l'esprit. Le feu les brûlait et je me suis réveillé ici. 2 mois après tout, le coordinateur du Togo nous a dit qu'il faut que moi et ma femme, et Victoire et puis son mari, on vienne, que Paul Ricard veuille envoyer quelqu'un pour venir nous rencontrer. Et Paul Ricard nous a dit que nous sommes du désordre. Mais c'est Paul Ricard même qui est en train de se mettre du désordre. C'est lui-même qui est en train de se mettre du désordre. Et on était parti. Que la sœur Claire en Irlande a appelé les femmes vertueuses et les femmes lui demandaient que, et à l'internet, ils ont vu, ils ont dit, écoutez, qu'il ne faut pas que la femme monte l'homme au cours de leur rapport sexuel. De ne pas utiliser des condoms, des finidoms, des injections. Et ils ont vu ça dans mon témoignage, dans celui de Victoire.
Et cela, Claire leur a dit qu'il va appeler Paul Rica pour lui dire qu'est-ce qu'il a dit, de lui donner conseil. Et Paul Rica leur a permis de monter, que la femme doit monter l'homme. Il a parlé avec la sagesse humaine. Il a dit que Dieu n'a pas, je ne l'ai jamais amené au ciel, mais il lui a donné l'explication. Si Dieu t'a donné l'explication, ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est ça que toi tu vas expliquer avec une explication contraire. Quand Pharaon avait rêvé en Égypte, Pharaon avait appelé Joseph, qu'il a écouté qu'il explique les rêves. Joseph a dit que ce n'est pas lui, mais c'est que c'est Dieu, que c'est une faveur que Dieu a fait pour lui. Paul Rica s'est levé avec la sagesse humaine en comparant le rapport sexuel avec la conduite de la voiture. Et il a dit au coordonnateur du Togo de nous enseigner, de nous interdire. Et il me dit, avec quel verset moi je me fie pour dire toutes ces choses-là. Et le coordinateur Peter du Togo, moi je lui ai dit que moi je lui ai donné Genèse 38, verset 8 à 9. Que c'est avec ces versets, j'ai confirmé cela. Paul Rica a dit non. Et le coordinateur a dit, qu'est-ce que le verset veut dire? Paul Rica a dit que ce n'est pas à cause du condom que Dieu est en train d'étendre à Onan. Mes frères, mes soeurs, ces gens qui sont en train de prêcher la sainteté, ils vont dire aux gens de porter les condoms. Onan, qui veut se coucher avec cette femme, et celui qui porte des condoms, si Dieu a frappé Onan et l'a tué, qu'est-ce que Dieu va faire avec ceux qui portent des condoms, celles qui portent des finidoms? Jésus m'a encore montré une révélation. On était sur une montagne. Tout le monde entier était au pied de la montagne. Personne ne pouvait monter. Il n'y avait que deux pasteurs qui ont monté la montagne. Paul Rica voulait monter, mais il avait un gros sac. Linda, il était tombé. Linda, sa femme, était tombée. Thomas Sambo aussi était tombé. Le coordinateur du Togo avait un des grands sacs de Bafana Bafana. Et Jésus m'a dit, ce que Paul Rica te dit de dire, c'est ça, ce que tu as refusé. Si ce que tu avais sauté au nom de Paul Rica, c'est fini pour toi. Seigneur, je ne suis pas un Dieu de désordre. Encore, j'ai vu comme une révélation. J'ai vu la sœur Linda, sa femme, la femme de Paul Rica, avec les papes. Ils étaient autour d'une table avec une coupe. Et les papes ont donné à Linda. Linda a donné à Paul Rica. Paul Rica a donné à tous les gens de Momorisa. Et Jésus me dit que les catholiques et les Momorisa, ils sont les mêmes choses. Ils sont les mêmes choses. Les catholiques, ils ont la foi à la statue de Marie. C'est la même chose que les Paul Rica et ses consorts ont confiance sur les finidoms, les condoms, les injections, les interruptions, les IVJ. Et les gens l'adorent. Paul Rica avec Linda. C'est devenu un dieu pour eux. Jésus a dit, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. S'ils n'arrêtent pas de ces enseignements sataniques, diaboliques, ils vont aller en affaire sans arrêt. Il est temps. Jésus a dit qu'ils lisent, de leur donner Esaïe 66, verset 9. Lui, il a créé les saints. Est-ce que lui va empêcher à la femme de ne pas concevoir? Est-ce que c'est toi, Paul Rica, qui va empêcher les saints pour que les gens conçoivent? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Jésus a dit de dire à Anani, Peter, du Togo, que Paul Rica est devenu son Dieu. Il a pris les ailes de Paul Rica et pas les ailes de Jésus. Tout ce que Paul Rica dit, c'est ça qu'il veut. Si Paul Rica veut qu'on mange les caca, c'est ça qu'il mange. Si Paul Rica dit attendez, il attend. Les messages de Paul Rica, ce sont les mêmes messages que lui répète. Jésus a dit de lui dire qu'il fait la volonté de Dieu. Le coordinateur du Togo, qui n'a qu'à s'occuper d'abord de sa femme et de ses enfants, de diriger son foyer pour que le foyer vive la sainteté. Il n'a qu'à d'abord sauver son âme. Il parle beaucoup. Qu'il parle beaucoup. C'est lui qui parle beaucoup. Ne manque pas de péché. Seigneur, Dieu, je vais te avoir ce message que tu parles beaucoup. Qu'il ne te connaît pas encore. Tu fais du bruit. Quoi. Mais Jésus dit qu'il ne te reconnaît pas. La seule chose qu'il t'a confiée, 1 Corinthiens 12, 7, 10, l'interprétation de langue. L'interprétation de langue, c'est la seule chose qu'il t'a donnée. Il ne t'a pas appelé d'aller créer une église, d'aller faire certains enseignements que lui n'était pas appelé à faire. Il t'a dit d'interpréter. Fais ça et puis c'est fini. Maintenant, tu es en train de disperser les âmes que Jésus est en train de gagner.
Humilie-toi et attends qu'on t'enseigne pour que tu saches comment vivre, pour que tu vives la vie de dire à Thomas Sambo de prier, de s'humilier, de prier pour Kumuyi, que c'est par lui qu'il a passé pour les enseigner la sainteté. Si Kumuyi ne veut pas croire au témoignage, de prier pour lui, de prier pour lui, que le Seigneur lui raconte que dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur des rois sont dans sa main. Que lui, il va passer par ce verset pour arrêter Kumuyi. Quand Kumuyi les connaît, les Nigériens, ils font la calomnie. Quand Dieu veut te lever, et ils vont faire tout possible pour t'abaisser. C'est la raison pour laquelle Kumuyi a refusé les témoignages. Mais que Jésus dit que dédie à Kumuyi pour qu'il puisse s'unir, pour que les gens sachent qu'ils se souviennent de Dieu, pour pas que quelqu'un se lève contre son frère, sa soeur, qui se calomnie entre eux, que son retour est proche, qu'il se repente, que Paul Ricard se repente. Paul Ricard n'est pas encore Jésus, n'est pas venu mourir pour qui que quoi. Les coordinateurs qui élèvent, qui exaltent Paul Ricard, le message de Paul Ricard m'a changé ma vie. Le message, si Jésus n'était pas là, est-ce que tu vas connaître Lydia? Est-ce que tu vas connaître Paul Ricard? Si vous ne vous repentez pas, Momoriza, au Togo, au Nigeria, au Bénin, au Ghana, partout, si vous ne vous repentez pas, savez-vous que vous êtes sur une voie, la voie large. Vous êtes sur le boulevard, vous allez en enfer. Et on appelle Paul Ricard. Et Jésus. Est-ce que c'est Paul Ricard qui est parti sur la croix? Si vous n'arrêtez pas ces choses, si vous mourrez, vous irez en enfer. Jésus m'a dit de dire à Paul Ricard, be careful, attention. La piste sur laquelle tu es est une piste glissante. Fais très attention. Jésus te dit de t'humilier. Tu ne connais encore rien. Fais attention. Fais très attention. Humilie-toi pour que le Seigneur t'enseigne. Est-ce que c'est toi qui donnes le conseil à Jésus? Est-ce que tu peux le connaître en totalité? Est-ce que tu sais tout qu'il a donné le conseil, il a créé le ciel et la terre? Est-ce que c'est toi qui l'a donné le conseil, il a créé le ciel et l'homme? Faites attention. Be careful. Slow. Ceux qui te lèvent, te font chuter. Ouza est en enfer. Daouza est en enfer. Alors fais très attention. Tu ne peux pas aider Dieu. Priez pour vous les uns les autres, pour qu'il y ait de l'humilité. Pour que vous vous humiliez les uns les autres. Pour que nous puissions nous humilier. C'est Jésus seul que nous devons voir. Nous, on ne connaît rien. Nous, on ne connaît rien. On ne peut rien faire sans Jésus. Répétons-nous. Momoriza. Si quelqu'un n'a pas dans la mémorisation, il ne va pas aller au ciel. Ça c'est de l'abomination. Et si quelqu'un n'est pas dans la mémorisation, il ne va pas aller au ciel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une bêtise. Vous parlez comme des aveugles. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Où est-ce qu'il est écrit que si tu n'es pas dans Momoriza, tu ne vas pas aller au ciel? Jean 14, verset 6, c'est que Jésus est le chemin. Ce n'est pas Momoriza qui est le chemin. La vérité, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui est venu mourir pour nous. C'est la raison pour laquelle vous devez faire très attention. Vous courez trop vite. Vous voulez le nombre, la popularité. Mais Jésus ne cherche pas la popularité. Mais Jésus, c'est la qualité. Humiliez-vous. Et faites la volonté de Dieu. C'est le moment pour que nous tous, nous puissions nous repentir. Les temps sont finis pour que nous arrêtons des pagailles. Faites de la tête. Si quelqu'un n'est pas dans Momoriza, il devient votre ennemi. Paul Ricard, sache-le. Ce que tu es en train de faire, tu deviens l'antichrist de Jésus sans le savoir. Si tu meurs, tu sauras que les condoms, on ne doit pas les porter. Les finidoms, tu sauras que ce n'est pas bon. La femme monter l'homme seront, durant les rapports sexuels, prendre les comprimés, les pellules, les interruptions volontaires, les IVG, tu sauras que ça ne vient pas de Jésus. Il est temps. Écoutons son message, sa parole. Si c'est Jésus qui m'envoie vous dire ce message, d'aller dire ce message, toutes les prières, les jeûnes que vous allez faire contre moi, si c'est Jésus qui me dit de le faire, vous pouvez prier, vous pouvez tout faire. Je suis la première personne que Jésus m'a dit d'aller vous dire que vous allez marier. Et vous êtes marié, vous avez reçu ça. Pourquoi vous ne voulez pas croire au port des condoms, que ce n'est pas bon, que ça amène les gens en affaire? Pape Benoît, lui, il a interdit le port des condoms. Le pape Benoît a interdit. Dans la secte catholique a interdit cela. Et toi qui te dis que tu enseignes.
la sainteté. Et tu permets que les hommes... Regarde comment les gens jouent la pornographie. Les femmes montent, les hommes, ils font les gestes de pornographie. Les animaux femelles ne montent jamais les animaux mâles. Et vous enseignez cela, que les femmes montent l'homme. L'homme que Dieu a créé à son image va agir plus qu'un animal. Et est-ce que toi qui l'homme a créé à son image, tu vas permettre que vous viviez à l'abomination? C'est honteux, c'est très très honteux. Be careful, très très attention, be careful. Jésus, c'est pas là, c'est ton petit frère, c'est lui qui t'a créé. Tu dois faire sa volonté. Mémorisa. Il est temps. Jésus dit que si vous ne faites pas sa volonté, vous allez oublier. Si on vous a dit que mémorisa existe sur cette terre, vous allez oublier. Jésus a dit qu'il y a encore des gens. Élie a dit qu'il lui reste seul. Jésus lui a dit qu'il a encore préparé encore 700 000 personnes qui ne se sont encore compas et inclinées à Baal. Alléluia. Alors, Paul dit qu'il y a encore des gens, des milliers de gens, des milliers qui sont, que Dieu va encore utiliser. Alors, humiliez-vous. Ne me permettez pas que Jésus efface vos noms, qu'on ne va plus écouter de mémoriser ça dans le monde. Jésus dit que si tu ne te convertis pas, si tu ne te repens pas, votre nom va disparaître. Mémorisa, Paul Rica, ça c'est quel pagaille ça? Repentez-vous. Jésus envoie ce message à Claire Andoun, à Ilan, qu'il aime beaucoup, que c'est lui qui l'a fait sortir de la réalité. Il a donné une nouvelle chanson de chanter, et cette chanson de dire à toutes les femmes vertueuses d'enlever les bagues de mariage, les boucles d'oreilles, de vivre dans la sainteté, de couvrir la tête, de ne pas se dépigmenter, de jeter les produits cosmétiques, que toutes les femmes, de dire à toutes les femmes vertueuses de vivre la sainteté absolue, que de dire à toutes les femmes qui veulent aller au ciel qu'elles ne doivent pas utiliser des condoms, des phénidons, des préservatifs, ou bien la femme monter l'homme au cours du sexe, des positions animales, les animaux, les femelles ne montent jamais les mâles, et l'homme que lui l'a créé à son image, et l'homme va vivre comme ça, ce que l'animal ne fait pas, l'homme va le faire, qui n'a qu'à leur dire à toutes les femmes vertueuses de vivre dans la sainteté absolue. Et ce message encore, il envoie encore à Claire, c'est que si elle se ressemble avec les femmes, elle peut enseigner aux femmes. Mais s'il y a un homme parmi eux, il ne faut pas qu'elle enseigne. Si elle enseigne, alors elle est en tort. Elle est contre la parole de Dieu. Si elle doit enseigner, si elle est avec les femmes, elle n'a qu'à enseigner. Mais s'il y a un homme parmi eux, il ne faut pas qu'elle enseigne, mais qu'elle donne l'autorité à cet homme d'enseigner. De dire à toutes les femmes vertueuses de se couvrir la tête si elle veut prier. De ne pas porter les chapeaux, de couvrir la tête avec les voiles. Même si tu es blanc, de dire aux femmes blanches de ne pas laisser leurs cheveux, disant qu'elles sont des blanches. Dans la sainteté, dans l'humilité, qu'elles agissent comme la parole de Dieu le dit, pour que quand les gens du monde le voient, sans même la prédication, les gens du monde se repentent. Que ce n'est pas seulement enlever des mèches de votre pantalon, non. Que le cœur aussi, tout ce qui se trouve le cœur, il faut qu'il soit pur, intérieur, extérieur. La fornication, la haine, l'ingratitude, la convoitise, qu'elle se repente intérieurement et l'extérieurement. Que son retour est proche. Que Claire fait sa volonté. Que de la confier sa vie entièrement. Qu'il ne faut pas qu'elle regarde un homme. Que tout ce qu'elle est en train de faire, que lui-même, il va le récompenser. De ne pas dire qu'elle est camerounaise, qu'elle travaille pour les Camerounais, mais les Nigériens, qu'elle est appelée pour le monde entier. Qu'elle n'a qu'à faire ce qu'il lui a confié dans la sainteté. D'apprendre aux femmes comment est-ce qu'elles doivent vivre dans la sainteté absolue. Pour que les femmes tout entières parviennent au ciel, qu'elles se tiennent sur le roc. Tout ce qu'elle n'a jamais vu, il va le faire. Ce qu'il va le faire, il va le faire même plus que ce qu'il a fait à Paul Rica et à Linda. Que sa parole dit que
là où se trouve son trésor, là où se trouve son cœur. Il a encore premièrement cherché le royaume des cieux. Et puis, il va leur donner ce qu'il reste. Que les femmes se repentent, qu'ils s'humilient, qu'il ne veut pas que les femmes aillent en enfer. Il faut qu'il soit fidèle à lui, à Jésus. Qu'il enseigne aux femmes dans la sainteté, les femmes, que toutes les femmes, peu importe ce que l'état de ton péché noir, non, qu'elles viennent, il va les pardonner. Les lesbiennes, que lui, Jésus, va les pardonner. Que toutes les femmes s'aiment. Celui qui leur dit de se soulever de l'amour, s'ils suivent ces gens, ce n'est pas lui, Jésus, qui dit ça. Ils vont aller en enfer. Il n'a pas dit que se soulever de l'amour et puis l'homme va, et la femme va monter l'homme. Il a dit qu'il ne faut pas que l'homme et l'homme ne se couchent pas. Et la femme ne se couche pas. Si c'est l'homme qui monte la femme, c'est l'homme qui connaît la femme. Ce n'est pas la femme qui doit connaître l'homme. Que c'est de l'abomination. Ils font des injections. Ça, ce sont des poisons pour empêcher le plan que lui, il a sur la vie des femmes. Pour interrompre les grossesses. Que moi j'ai dit que je ne vais pas interrompre les saints. Il a permis que nos progénitures seront plus que sable de la mer. Il a créé les animaux. Les animaux mangent, ils donnent de la faim, ils mangent, ils les nourrissent. Et l'homme qui lui l'a créé à son image. Est-ce que lui va les laisser, Dieu, il va les laisser? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, qui se repente? Bon, le fait de jouer des pornographies, de jouer les cassettes de ce monde, d'arrêter toutes ces choses-là, de vivre selon la sainteté parfaite, la sainteté absolue, la sainteté aujourd'hui jusqu'à l'éternité pour qu'il puisse avoir part au ciel, qu'il n'a pas créé l'enfer pour eux, qu'il ne faut pas que la seule claire en donne fléchissent. Il ne faut pas qu'elle ait eu peur d'un homme, qu'il n'a qu'à ouvrir les yeux aux femmes, que c'est elles, les femmes, qui vont en enfer, qu'il ne faut pas que les femmes regardent en arrière. Si elles regardent en arrière, elles vont se périr comme la femme de Lot. Elles n'ont qu'à regarder tout droit. Combien sont sauvés au temps de Noé, au temps de Lot, qu'il est temps qu'ils se repentent, qu'ils se tournent vers lui. Jésus me dit de dire à son fils Kumoi, qu'il l'aime beaucoup, que c'est un enfant pour lui, il s'humilie, il n'aime pas qu'on le glorifie ou bien qu'on l'exalte. Mais il est temps que son retour est proche, qu'il se lève de prêcher à tous les 10 palefs dans le monde entier, que son retour est proche, de dire aux 10 palefs, ceux qui regardent les feuilletons, les dessins animés, celles qui portent des culottes au-dedans, en bas, d'arrêter de porter ces choses, sinon ils vont tous aller en enfer. Les avarices, les ingrats, ils sont ingrats d'arrêter toutes ces choses-là. S'ils meurent, ils iront tous en enfer. Il faut qu'ils enlèvent les pantalons. Non, c'est pas ça seulement qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils vivent dans la justice, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Qui ne s'aime pas, il s'aime sur la bouche, mais dans le cœur, il ne s'aime pas. Il faut qu'ils s'unissent, il faut qu'ils s'aiment. C'est ça qui montre que Christ est en eux. Il faut qu'ils montrent l'amour de Jésus, qui dit à tous les 10 palefs, ceux qui sont aux 10 palefs, et leurs enfants sont dans le monde, leurs filles font des avortements, elles portent des mèches, d'arrêter ces choses-là. Si elles meurent, elles vont aller en enfer. Qu'il veut dire à Kumoi qu'il n'est pas venu pour 10 palefs, il est venu mourir pour le monde entier. Qu'il n'a qu'à prêcher la sainteté, que sans la sainteté, nul ne verra le ténèbre. Que quand son retour est proche, il n'est pas venu pour 10 palefs, il est venu pour tout le monde entier. Kumoi n'a qu'à écouter que je ne suis pas venu seulement pour 10 palefs, pour le monde entier. Qu'il est temps que Kumoi se lève. S'il rejette encore ce message, qu'il ne croit pas, que quelqu'un, Dieu peut révéler le ciel à quelqu'un ou bien à l'enfer à quelqu'un.
au moment où il va arriver à la porte du ciel, il sera rejeté. Mais Jésus a dit que celui qui reçoit le petit enfant qu'il a envoyé, c'est lui qui le reçoit. Mais s'ils l'ont rejeté, c'est lui qu'ils ont rejeté. Ce message est là. Il ne faut pas qu'il dise que si c'est vrai, il faut que Dieu me révèle. Il faut que Dieu me révèle. Il faut qu'il s'humilie, il faut qu'il fasse des tentations. Il ne peut pas me connaître en totalité. Les gens l'appellent daddy. Il faut qu'ils arrêtent cela. Matthieu 23, il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. La Bible dit que nous sommes des frères. Il faut qu'ils disent aux ceux de Dipalef d'arrêter de se coiffer avec des nylons. Il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là. Que les gens, les femmes de Dipalef s'humilient. Elles sont impolies, elles sont arrogantes, elles ne s'humilient pas. Il faut qu'elles s'humilient. Qu'elles s'humilient à leur mari. Il ne faut pas qu'elles soient arrogantes envers leur mari. Il faut qu'elles soient dans la justice, dans la sainteté. Ceux qui se couchent les uns avec les autres, ils font des avortements. Je regrette toutes ces choses. Il faut que Koumoï se lève. Il faut que Koumoï se lève et qu'il enseigne la sainteté. Ce n'est pas, si même si c'est une personne qui est venue, qu'il enseigne quand mon retour est proche. Je ne veux pas te retrouver en affaire. Si tu rejettes ce message que moi je t'envoie, moi aussi je vais te rejeter. Il serait misérable pour lui que je l'ai appelé. Il a travaillé et au dernier moment, il a regressé, il va aller en affaire. Ce n'est pas seulement prêcher la sainteté, la justice, non seulement. Il faut que toi-même, tu vis aussi cette vie. Il faut que Koumoï aime tout le monde. Il ne faut pas qu'il se soulève contre mon message. Il ne faut pas qu'il se lève contre que ceux-là sont des pécheurs, des fornicateurs. S'il leur dit toutes ces choses-là, ce n'est pas à eux, c'est à moi qu'il entend parler. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi, en ce moment-ci, je le demande de dire à tous les Dipalef de se repentir. Dipalef, plusieurs d'entre vous sont là-bas. Et elles ne trouvent pas de mari. Elles ne donnent pas de l'enfant. Parce qu'elles sont arrogantes. Elles sont orgueilleuses. Elles pensent que Dipalef est quelque chose. Dipalef n'est rien. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre pour venir parler au Dipalef. Non, il faut qu'il s'arrête de s'enorgueillir. Mon retour est proche. Il faut que Koumoï s'humilie totalement. C'est le moment. Tous ces messages que je l'envoie, il faut qu'il les reçoive pour ne pas aller en affaire. Qu'il prêche la sainteté absolue aux gens. La sainteté absolue, sans tache ni ride. Tournez vers moi afin que je puisse tourner vers vous. Il est temps que les Dipalef enseignent la sainteté absolue. La sainteté absolue. Il faut qu'ils s'humilient. Mon retour est là. Je n'ai pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour les démons et les gens déchus. Mais s'ils rejettent ce témoignage, ils le rejettent. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. Il ne faut pas qu'ils rejettent ce message. Il ne faut pas qu'ils raisonnent avec sa propre... Nebuchadnezzar avait convoqué les charlatans pour expliquer son rêve. Ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Mais quand ils ont appelé Daniel est venu expliquer. Il n'a qu'à prier, il n'a qu'à demander Dieu. Satan ne peut pas envoyer quelqu'un d'aller enseigner la sainteté. Satan ne veut pas l'union. Satan ne veut pas l'union. Satan ne peut pas prêter la sainteté. Il ne peut pas dire que l'enfer est réel, le ciel est réel. Non. Il faut qu'il arrête de dire que lui n'a jamais écouté, lui n'a jamais vu quelqu'un mourir ou bien voir le ciel. L'Apocalypse a été écrit par une révélation. La Bible a été entièrement toute une révélation. Dieu a inspiré les gens, ils ont écrit la Bible. Il a dit à Jérémie dans 3, 23, Dieu dit, invoque-moi et je te montrerai les grandes choses que je te montrerai. Il ne me connaît pas encore, je suis profond. Il a la distance entre le ciel et la terre, c'est comme ça, entre moi et les hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Koumoï, lève-toi et va sur les médias et prêche ce message et dis
à ceux qui tu as dit de ne pas recevoir ce message, dis-leur de croire à ce témoignage, car je suis un Dieu de révélation. La Bible est une révélation. Il ne faut pas qu'il se lève contre la Bible. La Bible est une révélation. Moi-même, Jésus, mon nom, c'est la révélation. Il faut que celles qui sont là-bas, ne trouvent pas des maris. Il faut qu'elles s'humilient, que moi aussi, je me tourne vers eux pour que je puisse faire des grandes choses qu'ils n'ont jamais vues. Mon retour est proche. Je veux que tu m'amènes les âmes au ciel. Toi-même, il ne faut pas être ingrat. Supporte les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, les malades, les étrangers. Supportez-les. C'est ce que je vous ai dit de faire. J'aime beaucoup cela. Faites-le. C'est ma voix que je t'envoie. Tu écoutes ma voix. Fais ce que je te dis de faire. Jésus m'a dit de dire à Bazoka Faya. C'est un charlatan. Un vaudou. Avec la puissance qu'il est en train d'utiliser, que Dieu l'a utilisé, Dieu l'a un. Il faut qu'il se repent. Bazoka Faya. Avec cette sorcellerie qu'il utilise. Et le pure water. Miracle, 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 miracle. S'il meurt, il va aller en enfer. Il se dépigmente la peau. Il se couche avec les femmes, les détruit. Il faut qu'il enseigne la sainteté aux gens. Que ce n'est pas les miracles qui vont amener les gens au ciel. Il faut que les femmes enlèvent les mèches. C'est un miracle, ça. Les chaînes. Arrête la fornication. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que je veux. Les gens pensent que Bazoka Faya, c'est moi qui l'ai appelé. Je n'ai pas appelé Bazoka Faya. Il s'en va en enfer et il cherche de l'argent et il amène les gens en enfer. Bazoka Faya, partout où tu te trouves actuellement, repens-toi. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Repens-toi, Bazoka Faya. Humilie-toi. Tu ne connais rien. Begin Faya, Begin Faya. Qu'est-ce qui est Begin Faya? Qu'est-ce qui est Begin Faya? Repens-toi. Tu peux faire Begin Faya, Begin Holy Ghost Faya. Tu peux faire n'importe quoi, Faya. Si tu ne vis pas la vie de la sainteté, tu vas aller en enfer. Repens-toi. Mon retour est proche. Repens-toi. Dédié à tous ceux qui sont dans l'église de Bazoka Faya, ils vont tous aller en enfer. S'ils n'ont qu'à revenir. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus m'a dit dédié à le pasteur de Wina Chapel a dépouillé de se repentir. Mon retour est là. Il n'a qu'à prendre la sainteté. De ne pas crier. La foi. Tu peux avoir la foi. Tu peux de fait déplacer les montagnes. Sans la sainteté, tu ne peux pas aller au ciel. Wina Chapel, partout dans le monde entier. Il y a une seule personne n'est pas encore prête pour aller au ciel. C'est pourquoi il lui envoie ce message de s'humilier et de prêcher la sainteté à Wina Chapel pour que les gens puissent aller au ciel. Il est temps de dire aux fidèles d'enlever les mèches des pantalons. Tout ce que le monde fait, les rouges aux lèvres, les culottes, qu'il est temps. Il faut que Oya de Pau et son avion ne va pas le conduire au ciel. Sans la sainteté, personne n'ira au ciel. Il lui sera honteux. Il a appelé son nom et va se retrouver en affaire. Mon retour est arrivé. Qui se repent? Mon retour est proche. Qui n'a qu'à apprendre selon la sainteté? Au nom de Jésus. Le message de Jésus à Christ au Yakilomé. Embassy, Christ est embassy. Christ est un antichrist. Christ Oya Kilomé, c'est mon opposant. Il faut qu'il se repent. Les gens pensent qu'il est beau. C'est un antichrist. C'est un agent de Satan. Tous ceux qui vont à Christ Embassy, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Christ Embassy, ils vont aller en enfer. Il a fait l'alliance avec Satan. Et miracle, il fait pou. Les gens tombent, soit disant qu'il travaille, qu'il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Tout ce qui
m'écoute, qui sortent de Christ Embassy, s'ils sont là-bas, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui l'utilise. Jésus l'envoie ce message de se repentir. De se repentir. Il ne veut pas qu'il aille en enfer. Son argent ne va pas le sauver. La sainteté, c'est ça qu'il veut. Il enseigne aux gens de faire la masturbation. Il y a plein de PD dans son église, des homosexuels dans son église. Il n'arrive même pas à enseigner la sainteté. Qu'il se repent. S'il rejette le message de la sainteté, il va se retrouver en enfer. Regarde, le Satan a pris les gens en captivité. Les gens se couchent, les gens avec les autres. Les gens font l'avortement. Il est en train de confier l'âme des gens à Satan. Qui s'il ne se repent pas, s'il meurt, il va aller en enfer. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Jésus dit que son retour est proche, qu'il commence à enseigner la sainteté, que lui-même arrête de boucler les cheveux, qu'il n'a qu'à arrêter, qu'il enseigne la sainteté, que les femmes arrêtent les bagues de mariage, les hauts talons, les collants, les pantalons, ces abominations, ces saletés. Ils n'ont qu'à laisser ces choses-là. Et se tournent vers lui, que son retour est là. Ces enfants qui sont là-bas, dans Christ Embassy, qui n'ont qu'à sortir de là, qui se repentent. S'ils veulent le suivre, s'ils meurent, ils vont atterrir en Afrique. Et là-bas, quand ils vont crier, il ne va pas les sauver. Sans la sainteté, nul n'ira au ciel. Tu peux prêcher, tu peux faire des miracles. Les miracles ne vont pas t'amener au ciel. Le pasteur Kofi Kamene, pasteur Raymond Kofi du Cameroun, le club 700, qu'il est temps que le pasteur Kofi, c'est son fils, qu'il est temps qu'il peut venir à n'importe quel moment. Qu'il serait étonnant qu'il témoigne de lui, il prêche, mais il sera laissé. Qu'il commence à prêcher la sainteté absolue. Que ça, la sainteté, il ne va pas le trouver. Il n'a qu'à dire aux gens d'enlever les mèches, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage. Il n'a qu'à jeter toutes ces choses, les perles, les vernis. Les femmes portaient des pantalons, et les rouges aux lèvres. Il n'a qu'à leur dire d'enlever toutes ces choses. Jésus a dit qu'il a vu que le maître de ce monde arrive, mais il n'a rien trouvé en lui. S'il ne veut pas, il n'accepte pas ce message, il va aller en enfer. Il n'a qu'à prêcher la sainteté. Ses enfants qui sont morts, ils sont au ciel avec lui. Que ses enfants l'attendent là-bas de venir, ses enfants qui sont morts. Que lui, Jésus, il a changé sa nature, peu importe les souffrances qu'il a eues dans le passé. Qu'il est temps d'apprendre la sainteté, qu'il à l'intérieur, extérieur, la sainteté extérieure, intérieure. Que sans la sainteté, personne ne peut le voir. Qui n'a qu'à monter sur toutes les chaînes du Cameroun, sur les clubs 700, dit aux gens concernant la sainteté. Il n'a pas préparé l'enfer pour lui. Setba, le révérend Setba, Jésus lui envoie ce message, que c'est lui qui l'a appelé, qui n'a qu'à chanter, qu'au travers des chansons, il va guérir, il va guérir. Mais il faut qu'il chante dans la sainteté. Quand il chante comme ça, quand lui, le Seigneur veut descendre comme ça, il y a les trucs, les bagues de mariage, les chaînettes, les pantalons jeans, les femmes en pantalon, ils laissent les sexes dehors, les mèches, le rouge aux lèvres, ils sont dans la saleté. Alors lui n'arrive pas à descendre, le Seigneur Jésus n'arrive pas à descendre quand il commence par l'invoquer. Que les femmes ne portent pas de pantalons, des mèches, des cheveux bouclés, des parfums, qui chantent de la sainteté, il va voir comment est-ce que lui-même Jésus va agir. Jésus, s'il veut qu'il le lève, il faut qu'il commence à vivre la vie de la sainteté. Peu importe là où il est, qu'au travers la sainteté, il va sauver les blancs. Depuis là, il n'a même pas sauvé une seule âme pour lui. Qu'il est temps, qu'il se repent. Car il est proche. Il ne veut pas qu'il aille en affaire. Il ne veut pas qu'il aille en affaire. Et en affaire, il va commencer à crier. Oh Jésus, pourquoi tu ne m'as pas dit, tu m'as pas dit. Qu'il envoie ce message. Il ne faut pas qu'il porte du jean pantalon. Les jeans pantalon, il n'aime pas les jeans pantalon. Et il faut qu'il arrête de s'enorgueillir. C'est cela que Satan a. Et puis, il a chassé du ciel.
la voix qu'il lui a donné, le talent qu'il lui a donné, c'est pas pour son orgueil, c'est pour travailler pour lui. Cette bas, il faut qu'il s'habille et normalement, pas des jeans pantalons et cette bas avec des chaînes de croix et avec des bagues de mariage. Il chante, les gens dansent comme les gens du monde. Il faut qu'il vive la sainteté. Quand mon retour est proche, sans la sainteté, il ne peut pas venir. Je l'aime beaucoup, dit le Seigneur. Quand il chante, j'aime descendre. Quand je vois tout ce que les gens portent, je n'arrive pas à descendre. Enoch a déboyé. Le message à Enoch a déboyé. Je l'aime beaucoup. La manière dont il s'humilie, il est humble. Mais il est temps qu'il enseigne de la sainteté. Toutes les églises qu'il a, il a ouvert, il n'y a aucune âme qu'il a gagné pour moi. C'est pourquoi je l'envoie ce message d'enseigner dans la sainteté. Miracle, 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 miracle. Il n'a qu'à oublier ça. Il n'a qu'à commencer à enseigner la sainteté, la justice. La sainteté, la justice, la vérité. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Il faut qu'il fasse des réveils dans le monde entier, dans la sainteté. Les fripons des mèches, les parfums, les bagues de mariage, les perles, les vernis, les pantalons, les collants, les hauts talons, les vernis, tout ces choses-là. Il faut que les femmes qui ne s'humilient pas commencent à s'humilier, à déboyer, qu'il n'a qu'à se repentir, qu'il arrête d'endurcir son cœur, que lui ne reçoit pas les révélations. S'il meurt, il va aller en enfer. Si, peu importe le nombre, il est sur, à débrouiller, est sur la grande voie. Jésus t'a dit ce message que tu es sur la grande voie. Repends-toi. Tu es même proche de l'enfer. Tu es proche de l'enfer. Jésus ne veut pas que tu ailles là-bas. Repends-toi. Si tu arrives là-bas, tu vas regretter. Je t'envoie ce message que tu vas dire que tu as travaillé pour le Seigneur Jésus-Christ, mais finalement, tu es atterri en enfer. Repends-toi. Repends-toi. Dis aux gens dans le monde entier, blancs, noirs, aux chinois, quoi que ce soit, de vivre dans la sainteté, dans la justice, dans la sainteté. Car sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Et Jésus veut que tu prennes cette parole, tu t'engenouilles, demander au Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Et si tu as reçu la voix, va et enseigne les autres. Si tu refuses, si la trompette sonne, tu seras laissé. Et si tu meurs avant la trompette, tu vas aller en enfer. Prophète Tibi Yoshua, Jésus t'envoie ce message de te repentir, car son retour est proche. Miracle, 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 miracle. Miracle, miracle, miracle. Tu vas aller en enfer. Arrête ces jeux de miracles et de prophéties. Il est temps que tu vives dans la justice, dans la sainteté. Un prophète ne peut pas fonder une église. Tous ceux qui vont à l'église de Tibi Yoshua, ils vont aller en enfer. C'est un agent pur de Satan. C'est un agent de Satan. Que toutes les âmes qui sont là-bas, qui vont là-bas, sortez de là-bas. Si les gens lui envoient ses photos pour prier pour eux. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Quittez là-bas. Retournez vers Jésus. Prophétie, 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 prophétie. C'est quoi la prophétie? Sans la sainteté, la prophétie, c'est rien. C'est un agent satanique. Jésus dit qu'il aime, mais il ne veut pas qu'il aille en enfer, de se retourner. Que toutes ces âmes qui sont avec lui, qu'il lui revienne. Un prophète ne fonde pas une église. Que son église, c'est du synagogue, le synagogue de Satan. Que son retour est proche, mais il n'aime pas que le pécheur meure, mais que le pécheur se repent. Il est temps, tous ceux qui sont là-bas, dans l'église de Tibi Yeshua, si vous mourrez, vous irez en enfer. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Tous ceux qui sont là-bas, vivez, sortez de là et vivez dans la sainteté. Enlevez vos boucles d'oreilles, vos rouges aux lèvres. Les blancs qui viennent là-bas, soi-disant, miracle, 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 miracle. C'est du Satan qui fait du miracle là-bas. C'est de la magie qu'il fait là-bas. C'est de la magie pure. Le vrai miracle, c'est Jésus. Celui qui a reçu Jésus, il a reçu le miracle. Celui qui reçoit la sainteté, c'est un miracle. Enseigner dans la justice, dans la paix, dans la vérité, c'est le miracle. Jésus envoie ce message à Tibi Joshua de se repentir.
Sinon, s'il arrive en enfer, il va se périr. Satan a fermé ses yeux, ses oreilles. L'argent, la voiture, la maison, c'est tout ce qu'il dit. Miracle, 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 miracle. Son retour est là. Jésus m'envoie te dire cela. Repens-toi. Et ton sang ne viendra pas sur ma tête. Repens-toi. Et humilie-toi. Jésus envoie ce message au pasteur Karambiri de Burkina Faso d'enseigner les Burkinabés de vivre dans la sainteté, d'arrêter de dire que chacun a sa vision ou bien, oui, chacun a sa vision, d'arrêter de dire cela. La vraie vision, c'est Jésus. La vraie vision, c'est Jésus. Sans faire la volonté de Jésus, ce n'est pas le nombre que Jésus veut, mais il faut qu'on vive dans la sainteté. Sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Karambiri, Jésus me dit que tu es sur la grande voie, tu es sur le boulevard et tu es déjà proche. Tes yeux sont blindés, tes oreilles sont bouchées. Là, ton nom même n'est pas dans le livre de vie. Jésus te dit qu'il est temps que tu commences à enseigner la sainteté. Sinon, tu vas aller en enfer. Enseigne que les femmes ne fassent pas des mèches, des faux cheveux. Les gens du monde le font. Les gels, les parfums, boucles d'oreilles, dis-leur. Les prêtresses vaudou font ça. Les chapeaux, les bagues de mariage, les perles, toutes ces choses-là. La reine babylonienne, toutes ces choses-là. La prostituée, elle fait toutes ces choses-là. Et elle met des couleurs sur la bouche, des pantalons, des hauts talons. Dieu a dit qu'il ne faut pas que les femmes portent les tenues des hommes. Il ne faut pas que les hommes portent les tenues des femmes. Tu y parles, tu parles, tu parles, tu parles. Tu es sur la grande voie. Tu es proche de l'enfer. Si tu ne te repens pas, tu vas atterrir en enfer. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus dit qu'il est temps que tu enseignes la vérité. Il ne faut pas que tu mettes devant ton ventre la voiture, aller aux États-Unis. Arrête tous ces jours-là. Il est temps que tu prêches la vérité. C'est la dernière grâce pour toi. Enseigne la sainteté. Comment est-ce que les gens vont vivre dans la sainteté? Parce que tu vas donner compte de tous ces fidèles que Jésus t'a confiés. Si une d'elles va en enfer, tu vas rendre compte. Si tu n'enseignes pas selon la sainteté, la vérité, et si les gens disent que c'est ta parole, c'est mieux que tu prêches la sainteté. Karambiri, le message pour Jésus, pour toi, c'est qu'il peut venir n'importe quel moment, n'importe quand. Il viendra comme un voleur. Alors, repens-toi et enseigne les femmes qui mettent le sexe, le pénis dans leur bouche, les femmes qui montent leur mari, le coup de leur rapport sexuel, les hommes qui portent des condoms, c'est l'enfer, les femmes qui portent des chapeaux, les femmes qui ne voilent pas les têtes, les femmes qui font le commérage, les pellules, la planning familiale, toutes ces choses-là, ils vont aller en enfer. Tous ceux qui adorent les planning familiales, ils vont tous aller en enfer. Ton sang ne viendra pas sur ma tête. Humilie-toi et demande au Seigneur Jésus. Si c'est lui, il va te parler pour que tous les Burkinabés, au travers de toi, les gens puissent revenir à Jésus. Peu importe les grandes dîmes, venir à l'église plus que la bouger. Mais ce n'est pas ça qui importe. Il ne faut pas qu'il se couche et vive comme les chiens, comme les porcs. Mais il faut qu'il vive dans la sainteté pour que le monde sache que nous sommes de Jésus. Il est temps pour que tu enseignes la sainteté sur les médias. Jésus m'a dit au président Barack Obama des États-Unis qu'il est temps de se repentir, qu'il est temps que ce qui ne s'est jamais passé depuis qu'il a créé, qu'un fils noir soit présent aux États-Unis, qu'il va passer par lui pour que l'évangile soit prêché aux États-Unis. Il s'est laissé, il est devenu un instrument de Satan, que Satan utilise fortement.
Et Satan a passé par lui pour légaliser le mariage des, des homosexuels, des lesbiennes. Tu vas regretter si tu ne te repens pas. Repens-toi. Ne travaille plus pour Satan, Obama. C'est un voleur. Que les hommes puissent se marier et les hommes se marient. Les femmes se marient. Si ton papa, homme, s'était marié avec un homme, est-ce que toi, tu serais né? Si ta maman, qui est femme, se mariait à une femme, est-ce que toi, tu serais né aujourd'hui être président? Si tu ne te repens pas, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu ne te repens pas, tu vas me rencontrer de face à face. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne te repens pas, si je t'attrape, Satan même ne peut pas te retirer de moi. Repens-toi et tourne-toi vers moi et dis aux Américains qu'il n'est pas bon que les hommes se marient. Satan, c'est un menteur. Il vous trompe. Vous rentrez dans les sectes, vous faites les signes de main, de toutes ces choses-là. Sors de la franc-maçonnerie pour que quand tu meurs, tu vas aller au ciel avec toi et tes enfants. Tournez vers moi, retournez vers moi. Si tu ne le fais pas, si tu meurs, tes filles-là que tu as mis au monde-là, les filles-là vont venir chez toi avec des filles, soit disant que ce sont leurs maris. Est-ce que tu vas accepter cela? C'est ce que Sodome et Gomorrhe a fait et je les ai détruits. Ne permets pas à ce que j'ai utilisé mon épée pour te trancher. Repens-toi. Si tu ne fais pas attention, il y a le malheur qui va venir sur toi et sur tes enfants. Et à cause de tes enfants, tu vas mourir. Satan fait tout possible pour t'amener en enfer. Tes cheveux, le nombre de tes cheveux, moi Jésus, je les connais. Satan ne connaît pas le nombre de tes cheveux. Moi, je les connais. C'est pourquoi je te dis, Barack Obama, repens-toi pour que l'Amérique et le Nord-Amérique arrêtent les musiques modernes, la pornographie, la drogue, pour que les pasteurs aux États-Unis puissent prêcher la sainteté absolue. Mais tu t'es vendu à Satan. Retourne vers moi pour que tu puisses vivre. Jésus m'a dit de le dire. Je l'ai dit pour que tu puisses retourner vers Jésus. Si tu es le président des États-Unis, tu n'es rien qui est Dieu. Même une fourmi est plus grande que toi devant Dieu. Tu n'es rien. FBI et quoi là, puisse t'entourer, ça ne veut rien dire. Humilie-toi. Et les âmes vont en enfer. Les âmes vont en enfer. Repens-toi. Il va passer par toi pour que les âmes aillent au ciel. Barack Obama, repens-toi. Repens-toi et retourne vers Jésus. Ce message va au président Fort Niasibé et Yadema. Jésus t'envoie ce message de te humilier. Tu lui dis que tu es fort, homme puissant, que tu es intelligent. Tu as mis les soldats, les pouf de fer, voilà, garde. Mais en enfer, ton père Niasibé, il était fort plus que toi. Mais actuellement, il est en enfer. Il est en enfer actuellement. Il y a des moyens en enfer. Je ne veux pas que toi, tu viennes en enfer. Je ne veux pas te voir sur le siège. Moi, j'ai déjà choisi quelqu'un pour moi. Je vais conduire les Togolais. Vous êtes barbares. Vous êtes des tueurs. Vous vendez les gens à Satan. Vous cherchez votre protection en disant que c'est fini. Si tu ne te repens pas, si tu ne fuis pas la présidence, si tu veux rester là, je vais te paralyser fort. Tu sauras que c'est moi, Jésus, qui parle. Il est temps. Les Togolais souffrent assez. Les Togolais souffrent. Si tu n'es pas Kabyé, tu ne vas pas travailler. Si tu n'es pas dans l'UNIR, dans ce parti, tu ne vas pas travailler. Tu n'auras pas de bon poste. Si tu ne quittes pas ce poste, la présence fuit très vite. Sinon, je vais intervenir. Je ne permets pas que tu règnes encore. Il est temps. Tu te donnes à moi. Tout ce que vous avez volé, la famille Niasibé, Vomissez tout. Jésus vous dit qu'il vous a rejeté toute la famille Niasibé une fois pour toutes. Retournez vers moi. J'ai pris la clé de la royauté de vous. Je vous ai rejeté. Je vous ai déraciné une fois pour toutes. Mais si vous retournez vers moi, je vais vous sauver. Mais moi, Jésus, j'ai déjà choisi quelqu'un pour moi-même. C'est cette personne qui va régner pour moi. Il est temps que tu te repens.
et tu sauras que l'Éternel a passé par moi pour te parler. Et Jésus te dit qu'il t'aime. Il t'aime. C'est là, tu peux goudronner tout, tu peux faire tout. Moi, je ne regarde pas toutes ces choses-là. Mais là, toutes ces choses, c'est quitter le royaume, quitter la présidence, une fois présidence. Mais si tu veux faire la tête du que tu as des conseillers ou bien des gens derrière toi, oh non, 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 que tu as des chars, tout cela, moi, j'ai mon feu, que je vais détruire tes chars. Tous tes soldats, toute ton armée, n'est même pas comparable à mon pouce. Si tu ne te veux pas, si tu veux rester là-bas, tu vas me rencontrer. Quitte là-bas et humilie-toi et confirme ta vie à moi. Tu te couches avec les petites filles. Les petites filles, tu te couches avec les petites filles vierges. Tu te couches avec les petites filles. Tu leur donnes de l'argent. Tu gaspilles l'argent du pays en désordre. C'est ce que tu es en train de faire. Repends-toi. Si tu ne te repens pas avec tout ce que tu emprunes, tu gâtes les petites filles, les petites vierges, que tu as de l'argent. Si tu ne te repens pas, tu leur achètes des voitures, construis la maison. Ce que ton papa a fait, c'est ce que tu as fait. Le sien est plus pire que celui de ton papa. Je vous ai rejeté une fois pour toutes. Vous pouvez sauter, aller en revenir. Le ciel, c'est fini pour vous. C'est moi, l'Éternel, qui a parlé. L'Éternel Dieu a parlé. EDP, l'Éternel Dieu a parlé. Le président béninois, Yayi Boni du Bénin, de se repentir, de revenir vers moi, pour que, après sa mort, il puisse aller au ciel, de sortir de la franc-maçonnerie, d'arrêter de boire des liqueurs, le mensonge, la gloutonnerie. Il est temps qu'il sorte de là, de la franc-maçonnerie, et me donne envie. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Sors de là, Yayi Boni. Sors de là. Arrête de boire. Arrête la gloutonnerie. Il est temps que tu me donnes ta vie pour que tout le Bénin se tourne vers moi. Arrête de te convier au vaudou, au prêtre vaudou. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Et enseigne ta femme comment s'humilier. Et arrête de voler l'argent du pays. Et arrête d'avoir des concubines. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Qui sera-t-il d'avoir toutes les richesses de ce monde et aller en enfer? Tous les présents qui ont vécu sont tous en enfer. Il est temps que tu te confies à moi, que tu quittes Satan. J'ai toute puissance. C'est moi qui ai permis que tu aies ce que tu as aujourd'hui. Alors ne donne pas gloire à Satan. Ce message au président nigérien, Good Luck Jonathan, que son retour est proche. Je ne veux pas que tu meurs et ailles en enfer. Arrête de voler l'argent du pays. Arrête d'avoir des concubines et avoir une seule femme. Arrête de boire des liqueurs. Il m'appelle sur la bouche, mais il ne me voit pas. Il est temps qu'il se repent, qu'il se confie entièrement à moi, qu'il arrête d'avoir des mauvaises compagnies, qu'il n'ait pas de compagnies sectaires. Je veux lui dire qu'il est temps. Et je veux qu'il appelle Pasteur Kumoi pour qu'il enseigne la sainteté, la parole de la sainteté à tout le Nigeria. Pour que Kumoi enseigne la sainteté. Comment est-ce que les étudiants doivent vivre, les hommes, les femmes, l'armée, dans tout le Nigeria. Je veux passer par Good Luck pour que Kumoi enseigne la sainteté, pour que tout le Nigeria, les musulmans, me viennent. La manière dont les chrétiennes, les femmes chrétiennes doivent vivre pour pouvoir venir au ciel. Jésus m'envoie, va te dire, Good Luck, que la raison pour laquelle il a te dit ceci, c'est que Kumoyi est le père, c'est un père spirituel de Nigeria. C'est par lui que j'ai passé pour enseigner la sainteté. C'est la raison pour laquelle je veux passer par lui pour que la sainteté soit prêchée dans tout le Nigeria. C'est pourquoi tourne vers moi. Et je ne veux pas que tu aies un enfer. Et donne-moi ta vie en totalité pour que je puisse faire de toi ce que je veux. Je ne veux pas que ton âme aille en enfer. Je veux que par toi,
les âmes au Nigeria reviennent à Jésus, pour que les gens sachent que c'est moi Jésus. Je t'ai aimé, c'est pourquoi je suis venu mourir pour toi. J'ai payé pour tes péchés. Maintenant, il est temps que tu vives pour moi. À tous les opposants togolais, de déménager, de dire au maître Yahweh Agboibo en face qu'il est temps. Sinon, s'il meurt, il va atterrir en enfer. Il est temps qu'il veut qu'il se repent. Il ne faut pas qu'il ait confiance en ce temps, à la sorcellerie, au vaudou, en disant qu'il adore Dieu. Sinon, il va atterrir en enfer. Satan ne peut rien le faire. Depuis là qu'il est en train de lutter pour être présent, il n'a qu'à se repentir. Il n'a qu'à me donner sa vie. Il est têtu. L'esprit de Hunon. Il aime beaucoup les vaudous. Il aime beaucoup les vaudous. Avoir la puissance de vaudou et puis encore être encore avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il me donne sa vie. Ah, bon. Jésus t'invite à te donner entièrement à lui. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ta connaissance, ton argent, tes maisons que tu as en Europe, partout, ça ne ces choses-là ne vont pas te sauver. Donne-moi ta vie. Sinon, si tu meurs, ton titre paysan, tu vas le voir en enfer. La seule chose que j'ai vu de toi, repens-toi pour que moi aussi, je puisse t'accueillir. Je n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais si tu veux que tu meurs, tu vas regretter. Il est temps que tu me confies ta vie et que tu vis dans la sainteté. Et tu arrêtes de tromper les gens. C'est toi qui as amené la tromperie, le désordre dans ce pays. Si toi, tu prenais le pouvoir à la place de Yadema, le sien serait plus pire que celui de Yadema. Mais la seule chose que je te dis, c'est de te repentir afin que tu puisses vivre dans la sainteté pour que tu puisses venir régner avec moi. Agbeyoume Kodjo, qu'il est temps que Agbeyoume se repente de se donner entièrement à moi. Le message à Agbeyoume. Je l'aime beaucoup. Je suis, peu importe ce qu'il a fait avec Yadema, parce qu'il est le fils spirituel de Yadema. Peu importe la vie que toi et Yadema et vous avez vécu, il est temps que tu te repens. Je vais passer par toi pour que tu me donnes ta vie. Mais tu fais du jeu. Tu ne repens pas. Tu fumes la cigarette. Tu bois des liqueurs. Arrête d'avoir peur. L'église dans laquelle tu es là, sors de là et tu me donnes ta vie pour que tu puisses vivre dans la vérité. Au travers de toi, je peux faire grandes choses. Cette statue de Marie que vous avez dans cette maison, tu veux avoir la puissance de Satan, en plus ma puissance, en disant Marie, 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 Marie. Qu'est-ce que ça va te faire? Repends-toi. Dis à ta femme de te repentir. Mais vous n'êtes pas repenti, mais vous voulez conduire le Togo. Vous donnez ce pays à qui? À Satan ou bien à qui? Le retour de Jésus est proche. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Tu aimes beaucoup l'argent. Tu as volé beaucoup de l'argent dans ce pays. Tu as de l'argent. Mais il est temps que tu te donnes à moi. J'ai besoin de toi pour t'utiliser en tant qu'outil. De la même manière que j'ai utilisé Joseph, je veux t'utiliser. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Repends-toi. Repends-toi. Je t'aime. Je t'aime. C'est la raison pour laquelle je t'envoie ce message. Si tu refuses moi, c'est ça que tu vas aller en affaire. Effectivement, on était parti chez lui. Il a accepté le message. Mais pour faire le pas, c'est difficile pour lui. Il craint Dieu. Mais pour la manière dont il va marcher, c'est difficile. Toutes les forces, les puissances, les sacrilèges qu'il a, toutes ces choses-là, il n'a qu'à les amener, on va les brûler. Il est dans une grande ténèbre, mais il veut que sa lumière l'éclaire. Il ne veut pas que sa femme aussi aille en affaire. Que sa femme, Marie, 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 Marie l'a sauvée dans son rêve. Marie a...
Il était dans une circonstance très difficile. Marie l'a sauvé. Qu'est-ce que Marie a fait pour toi? Est-ce que Marie a payé le prix pour toi? Si tu ne te réponds pas, avec ta femme, vous irez en enfer. Et les jours de fête, tu as acheté les liqueurs pour donner au prêtre. La vie de débauche l'a arrêté là. Sinon, vous ne repentez pas, vous irez en enfer. Tu as été averti. Jésus ne veut pas que toi et ta maison, vous ayez en enfer. C'est pourquoi Jésus t'envoie ce message. Jésus envoie ce message au ministre Yark, ministre Damhane Yark. Que la manière de faire le travail, c'est bon. Mais si lui, Jésus n'est pas avec lui, il va aller en enfer. Que bientôt, on va le fusiller. Ministre Yark, on va le fusiller. Mais quand il meurt là-bas, il va aller directement en enfer. Jésus me dit que si Yark veut t'arrêter, même si tu te caches quelque part, il va t'arrêter. Mais toutes ces choses-là, sans moi, tu vas aller en enfer. De dire à Yark de se confier à moi. Alors, je vais lui dire comment est-ce qu'il doit vivre. Il ne faut pas qu'il ait confiance à Mahomet, à une puissance. Mais s'il lui rejette, s'il meurt, il va aller en enfer. Jésus m'a dit de lui dire, de se repentir, de s'humilier. C'est la raison pour laquelle je lui dis que quand la manière dont on va le fusiller, je lui dis, je l'avertis qu'on va le faire un coup d'état. On va le faire un coup d'état. C'est pourquoi je lui envoie ce message. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. La manière dont il traite les gens, il maltraite les gens, qu'il est en train de faire la sécurité normale, il ne faut pas qu'il aille en enfer. Jésus veut qu'il lui donne sa vie. Que s'il meurt, il va aller au ciel. Jésus veut l'utiliser pour que ce pays soit changé, pour que les gens sachent que Jésus est Dieu. J'ai besoin de lui, mais qui sera-t-il à lui qu'il a une maison, une voiture, de l'argent et aller en enfer? Là, il n'y a personne qui va le sauver. Il ne faut pas qu'il ait de l'amitié avec les sectaires, avec les francs-maçons. Il ne faut pas qu'il vende son âme à Satan. C'est moi qui l'ai créé. C'est par moi qu'il peut passer pour aller au ciel. Sans moi, il ne puisse jamais aller au ciel. Il est temps qu'il me donne sa vie. Kpacha, Jésus envoie ce message à Kpacha Nyasingbe de lui confier sa vie. De lui confier sa vie. Peu importe tout ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, je l'aime beaucoup. Mais je veux qu'il me donne sa vie. C'est maintenant le moment qu'il se repent. S'il veut recevoir le Seigneur Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il va le sauver. Bon, on va le faire sortir de la prison et qu'il arrête de vendre la drogue et de faire des conneries, des oppressions, mais qu'il laisse tout l'argent qu'ils ont volé du pays dans leur compte. Ce n'est pas pour eux seuls. Il doit retourner l'argent au pays, qu'il donne cet argent aux pauvres, aux orphelins, pas seulement aux cabiers. Mais tous ceux qui sont des Togolais créés à l'image de Dieu, ou qu'il n'y ait pas de la vengeance, mais il faut qu'il y ait du pardon. Jésus dit qu'il aime aussi de se tourner vers lui. Mais pas qu'il fasse qu'il y ait des bruits de fusillade dans ce pays, qu'il y ait une unité et qu'il y ait du pardon les uns les autres. S'il devient chrétien, il donne sa vie à Jésus, il va le voir. Jésus envoie ce message que bientôt Kpacha sera libéré. Mais s'il est libéré et s'il a confiance au gris-gris, au démon, s'il veut faire vengeance ou quoi que ce soit, on va le décapiter, on va le couper à morceaux. Il veut se tuer, s'il veut être président ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il veut pour lui, il faut qu'il reste dans la sainteté. Mais s'il dit non, qu'il va demander vengeance, lui aussi va régner, qu'il ne vient pas de lui, il va mourir pour l'inglorien, pour aller en enfer. Jésus envoie ce message à sa fille Déborah, responsable d'Agbadjanaké. Qu'il lui a pardonné tous ses péchés. Mais la seule chose qu'il envoie,
c'est qu'elle aime beaucoup l'argent, l'amour d'argent, que toutes celles qu'elle a engagées, qu'il faut qu'elle paie ses ouvriers. Et il ne faut pas qu'elle soit en retard à l'église. Si l'église commence à 8h, elle arrive à l'église à 8h01, elle est en retard. Jésus veut qu'elle vive dans la sainteté, qu'elle n'ait pas de fausses compagnies. Sans la sainteté, nul ne verra l'éternel. Que cette sainteté, qu'elle marche dans cette sainteté, qu'après sa mort, elle va le voir. Mais que son argent, que tout, elle a mis sur son compte. Si elle meurt, à quoi cela le servira? Il faut qu'il utilise son argent pour prêcher son évangile partout où elle est, pour que les gens sachent que son retour est proche. Que Jésus lui dit qu'il aime pour qu'elle se tourne vers lui, pour que lui aussi se tourne vers lui. Elle est partie demander le Seigneur et le Seigneur lui a confirmé que c'est lui qui nous a envoyé vers lui. Persévérons pour que si la trompette sonne, on doit être enlevé. Maman Déborah, il faut que le Seigneur te saigne les reins, qu'il soit ta force. Vis dans la sainteté. Il ne faut pas faire compagnie avec les faux pasteurs, mais un faux compagnon. Seigneur Jésus. Jésus m'envoie de dire à tous ceux qui se trouvent dans le monde entier, ceux qui ont le sida, cette maladie incurable. Jésus a dit, si vous me recevez en tant que Seigneur et Sauveur, moi je vais vous sauver. Rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à moi. Va à genoux, confesse tes péchés et reçois Seigneur Jésus en tant que ton Seigneur et Seigneur. Enlève tes bactos, tout ce cela. Dépouille-toi. Enlève tes collants. Enlève toutes ces choses-là. Tout ce qui appartient à Satan, enlève-les. Et tourne-toi vers moi. Je vais te guérir. On n'arrive pas à trouver du remède au sida, mais moi, j'ai toute la puissance. Je vais te guérir. Tout chrétien qui se retourne vers moi, moi, je vais les guérir. Que ces idées seront guéris. Ils seront guéris. Pour que le monde sache que je suis un Dieu tout-puissant. Tous qui vont se confier à moi, je vais les guérir. Il n'y a rien qui m'est impossible. Tourne vers moi. Si tu es jeune femme, on n'a pas demandé ta main. Je vais te guérir. Si tu arrêtes de faire la prostitution, arrête de te faire des sorties nocturnes, je vais te guérir. Tournez vers moi. Tous ceux qui vont arrêter de saler le lit de mariage, je vais les guérir. Peu importe ta maladie de sida, mais tu as le sida, tu te promènes de gauche à droite pour le distribuer aux gens. Ce sida va te tuer. Mais il faut que le monde entier se tourne vers moi. Ceux qui font des vœux, je vais te donner ça, je vais te faire ça. Je vais te faire ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Ou bien tu dis à ta fille, à ton fils, tu fais ce vœu et tu n'as pas accompli, je vais te donner une voiture. Je vais envoyer ton enfant à l'école. Si tu le fais, si tu fais cette promesse et tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Si tu ne fais pas ce que tu as dit avec ta bouche, tu vas aller en enfer. Jésus m'a dit de dire à tout le monde, peu importe celui que tu es, pasteur ou quoi que ce soit, vivre dans la sainteté. Sans la sainteté, nul ne peut aller au ciel. Si tu as fait un vœu, fais-le. Quand tu dis Ecclésiaste 5, verset 1 à 3, que ce que tu vas dire, fais attention de le dire. Dédié à tous les musulmans qui ne m'ont pas encore reçu en tant que sauveur et Seigneur. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. Tous musulmans dans le monde entier qui ont confié à Mahomet, 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 Mahomet,
Mahomet ne va pas les sauver, il est en enfer. S'il meurt, ils ne vont pas le trouver, ils vont le retrouver en enfer. Il ne veut pas que tous les musulmans aillent en enfer. Les musulmans me haïssent. Ça ne vient pas d'eux, mais ça vient de Satan. De dire à tous les musulmans de revenir vers moi. Marabout, quoi que ce soit, il ne veut pas que les musulmans aillent en enfer. De dire à tous les musulmans qui se sont donnés, qui m'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur, enlevez vos bagues, les parfums, les décorations, les parures, les collants, les perles, les vernis. Arrêtez de faire ces choses-là. Au cours des rapports sexuels, tu suces le sexe de ton mari. Arrête ces choses-là. Tu montes ton mari durant les rapports sexuels. Arrêtez ces choses-là. Tu me reçois en tant que musulman, tu ne vis pas dans la sainteté, tu vas aller en enfer. Ne dis pas au dernier moment que Seigneur, je me suis confié à toi, je t'ai reçu en tant que Seigneur. Sans la sainteté, nul ne ira au ciel, nul ne verra l'Éternel, mais sauf celui qui fait la volonté de l'Éternel. Jésus m'envoie dire à la société de l'Olanto, l'autorité nationale du Togo, moi Jésus, je leur dis de ramasser leur jeu, de fermer cette société très vite, je ne veux plus le voir. C'est un jeu d'escroquerie. Le vol, le parrainage, ils n'ont qu'à arrêter ces trucs-là. Ils escroquent les gens avec des millions. Les gens ont joué la date de naissance de leurs enfants, le numéro de plaque des voitures, de leur propre moto, trinap, fornap. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ces gens, cela sont en affaire. Jésus dit qu'il ne veut plus voir le Lonato au Togo. Je veux régner au Togo. Je ne veux plus voir ces choses. Sinon, si je viens, il leur sera difficile. Il ne faut pas qu'ils disent que ça ne va pas. Si quelqu'un vole, vous l'arrêtez. Mais ceux qui trichent, par mois, combien Lonato te vole? Combien par mois? Combien on gagne un milliard ou bien un million? Jamais. Par an, combien eux ils gagnent? Des milliards. Eux ils gagnent des milliards. C'est du vol. Ils escroquent les gens. C'est ce qui fait que les gens boivent. Les gens volent. Les gens vont voler pour jouer à la Lonato. C'est la raison pour laquelle il y a la pauvreté au Togo. Sinon, si je viens pour régner au Togo, il ne faut pas qu'ils me disent que je ne les ai pas avertis. Je les ai avertis qu'ils veulent ou pas. Qu'ils fassent bagage. La mèche Amina, la société, la mèche Amina, que cette société fasse bagage. Si cette société veut encore continuer à fonctionner, qu'elle s'en aille en Chine. L'esprit qui est derrière, c'est Satan, le dragon. Les brasseries, les bistrots, les auberges, toutes ces choses-là. Je ne veux plus voir toutes ces choses-là. Aucune mosquée. Togo, j'ai choisi Togo pour venir régner là-bas, pour conduire le Togo. Je ne veux plus voir une église catholique. Toutes les églises dans lesquelles on n'enseigne pas la parole de Dieu, toutes ces églises-là, je veux plus le voir. L'église catholique, on ne va plus le voir au Togo. Le temps est arrivé. Quand le temps est arrivé, les gens sauront que c'est moi qui ai parlé. Je ne vais pas accepter que les âmes pour qui je suis venu mourir, Satan va les amener en enfer. Je veux les prendre, les préparer et les amener au ciel. J'aime beaucoup le Togo. Tous les charlatans, tous les prêtresses de vaudou, les coiffeuses qui cherchent autre travail à faire, ne sois pas surpris. Ceux qui chantent la chanson du monde, Azonto, Kulganji, Tufat, tous ces gens, il faut que vous fassiez bagage. Les chansons d'enfer.
Faites bagage, pliez vos bagages. Vous allez voir le Togo, mais vous n'allez pas rester. Vos Omambi, tous ces jours-là, les chansons du monde, là, tous ceux qui chantent ces chansons, je ne veux plus entendre ces chansons. Sur les chaînes de radio, de télévision, je ne veux plus entendre ces choses. Le temps va venir, on va dire que, on saura que c'est moi Jésus qui a parlé. Pendant la récréation, il y a les enfants dansent à Zonto, Kulungaji, ils mettent les démons dans les enfants. Ils ont vendu les enfants, ils crient, ils font chaud, 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 chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Vous préparez l'enfer sans le savoir. Ou bien l'enfant est propre, que l'enfer est propre. Ramassez toutes ces choses-là, brûlez-les. Sinon, au Togo, vous n'allez plus le faire. Sur la radio, sur la télévision ou sur une chaîne togolaise, il ne doit avoir plus avoir ça. Sinon, bientôt, vous allez le voir. Et vous sauriez que moi, c'est moi qui ai parlé, qui le fait. Je ne veux plus voir les rassamans. À Décon, je ne veux plus voir les prostituées. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Les gens sauront que ah, vraiment Dieu a pris le Togo. Que moi, Jésus, je règne au Togo. Alléluia. Les éperviers, les jeux de football, il ne va plus avoir ces jeux au Togo. On peut le jouer dans le monde entier, mais au Togo, on ne fera plus. Tous les joueurs vont se repentir. C'est ça le moment. Jésus envoie ce message à Emmanuel Adebayor. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Que je suis avec toi depuis ton enfance. Sans moi, depuis, tu seras paralysé. Que tu te donnes ta vie à moi. Le football, c'est un jeu de Satan. Et ceux qui vous allez faire des gris-gris, on t'appelle Adebayor, vos doigts, vos doigts, vos doigts. Arrête ces trucs-là. Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Je vais passer par toi pour sauver tous les joueurs. Ne regarde pas Samuel Eto'o ou bien David Beckham qui font chaud, chaud, chaud. Non, 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 non. Donne-moi toute ta vie. Ces gens, Samuel Eto'o, Beckham, ils ont vendu leurs âmes à Satan. Arrête de distribuer de l'argent aux gens. Papa, 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 qu'est-ce que tu fais là? Sinon, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Fouet, Marc Vivien Fouet a fait chaud plus que vous, mais il y a l'enfer. Michael Jackson, il a fait du show plus que vous, mais il est en enfer. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Ton frère, Peter, il a fait du show, mais il est en enfer. Les joueurs, toutes ces vies qu'ils mènent, ils sont tous en enfer. Je veux que tu me donnes entièrement à toi. Jésus veut que tu te donnes entièrement, que tu te tournes vers moi. Repends-toi. 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 Fais du Bolotsky, toutes ces choses-là. Repends-toi. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je veux passer par toi pour sauver tous les joueurs du monde entier. Repends-toi si tu meurs pour que tu puisses aller au ciel. C'est moi qui t'ai créé. Arrête de jouer le football. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Et je crois que au travers de lui, le Seigneur va faire grandes choses. Alléluia. Ceux qui font le Saint-Valentin, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. C'est la fête des démons. Porter des habits rouges, des chaussures rouges. Et les chrétiens aussi enseignent tout ça dans l'église. Si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Jésus me dit d'aller dire qu'ils arrêtent de fêter ces fêtes-là. Les habits rouges. Satan boit le sang des gens. Le jour de Saint-Valentin, Satan boit beaucoup de sang. Il amène beaucoup de gens en enfer. Qu'ils arrêtent de fêter cette fête. Qu'au Togo, cette fête ne va plus exister. Alléluia. Que les gens se tournent vers lui. Saint-Valentin, il se couche les yeux avec les autres. Il porte les habits rouges, les pantalons rouges. Et il mène des mauvaises vies, la vie des débauches. Que cette fête ne va plus, on ne va plus l'entendre au Togo. Nous avons un pays qui est plus merveilleux que le l'or. Un jour,
nous allons voir ce pays. Il en révélera nous souvenir de nos pleurs, nos souffrances. Nous avons un pays qui est plus merveilleux que l'or. Un jour, nous allons voir le Seigneur Jésus. Nous avons un pays qui est plus merveilleux que l'or. Un jour, nous allons voir le Seigneur Jésus. Nous n'allons plus nous souvenir de nos pleurs. Il effacera les larmes de nos yeux. Nous avons un pays. Ce pays est merveilleux plus que l'or. Un jour, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ. Les gens de ce monde se réjouissent de la sorte. Mais le ciel, c'est là comment? La joie, les chants, la joie incomparable, la joie, l'amour seront là-bas. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Tu auras envie du ciel. C'est pourquoi le message que le Seigneur Jésus m'a dit de dire, j'ai pas eu peur, je ne vais pas bégayer. Celui qui veut me tuer, j'ai eu peur pour lui. Mais la seule chose que je vais dire à cette personne, c'est que le Seigneur Jésus m'a dit de le faire. Si je n'ai pas fini ma mission, je ne vais pas mourir. Tu peux aller chez un charlatan, tu peux aller chez qui ce soit. Moi, je n'ai pas eu peur. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Satan qui est dans le monde. Le ciel est merveilleux. Que nous ayons passion, désir d'aller au ciel. J'ai vu le Fils assis sur le trône et les sept tonnerres étonnés. Quand tu écoutes la voix de l'agneau, tu auras eu peur. Les 24 veillards, les quatre êtres vivants, ils donnaient la gloire, autorité, gloire, louange à Dieu. Il y a une table. Il y a les chaises autour de cette table. Long infini. Les fruits sont sur cette table. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Le ciel est merveilleux. Il faut que tu aies envie d'aller au ciel. Et commençons à vivre dans la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ces choses. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il me dit, regarde celui-ci. Je dis, je ne le connais pas. Celui-ci, on l'appelle Paul. Paul était vraiment beau. Et j'ai dit, Paul, quel Paul? Paul, l'apôtre Paul, celui qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Paul me fortifiait en me disant qu'il va me donner un verset, 2 Timothée 4, 7 à 8, qu'il a fait le bon combat et la couronne lui a été donnée. Il se réjouissait. Il envoie ce message aux chrétiens d'être fidèles au Seigneur. Peu importe ce qu'on va leur dire, la manière dont on va leur minimiser, il faut qu'ils prêchent l'évangile, qu'il y a du temps ou pas du temps, qu'ils prêchent l'évangile, qu'ils reçoivent ce message pour qu'ils puissent venir au ciel. Ah, qu'ils aient envie d'aller sur la terre. Qu'il faut que nous sauvons les âmes, que nous ramenons toutes les âmes au ciel. Alléluia. Paul était très vraiment content. Je le voyais. Je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas retourner sur la terre. On m'a dit de le quitter. J'ai vu quelqu'un. Le Seigneur m'a présenté. Il m'a dit que celui-ci, c'est Étienne. Si tu vois Étienne avec sa couronne, c'est merveilleux. Étienne était beau. Il y avait une joie. Je ne sais pas comment décrire cette joie. Étienne, qu'on a lapidé dans Acte 7, c'est Étienne. Si tu le vois, on s'est embrassé et c'était joli à voir. Chrétiens, embrassons-nous. Embrassons-nous les uns les autres. Étienne m'a donné un verset dans Acte des Apôtres 7, 57 à 60. Qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Alléluia. Peu importe la manière dont l'a lapidé. Il a pardonné à tout le monde. À travers Étienne,
Paul aussi est aussi parti des siennes. Il ne faut pas que les chrétiens crient que leurs ennemis meurent, mais que les péchés de ceux qui les ont transgressés leur soient pardonnés. Qui sont ceux-là que je regarde comme ça? C'est le ciel comme ça, je ne veux plus partir. Il y a une joie infinie au ciel. J'ai dit, attends un peu pour que je te vois un peu. Et il me dit, non, retourne, allez dire aux gens que nous les attendons. Et le Seigneur m'a encore amené encore vers quelqu'un. Jérémie. Quel est Jérémie? Jérémie m'a donné Jérémie 15, 20 à 21. Jérémie 20, verset 7 à 9. Jérémie m'a dit, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, on va te persécuter. On va te persécuter. On va se moquer de toi. On va te honnir. Des fois, si je ne veux plus faire l'œuvre de Dieu, Dieu m'attrape de continuer à faire son œuvre. Les gens ne veulent pas recevoir les révélations. Les gens peuvent se moquer de toi. Que tous ces gens-là, qu'ils continuent à travailler. Que c'est toujours comme ça. Jérémie était très content. Jérémie me dit qu'on vous attend. On vous attend. Alléluia. 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 J'ai envie du ciel. Le ciel est merveilleux. Je ne sais pas comment je dois décrire le ciel. Je vois ces gens-là. Le Seigneur me dit, viens, viens. Il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel. Daniel, très beau. Ils ne sont pas des vieux. Moi je suis vieux plus que eux. Ce sont des gens qui ont là des 13 ans. Daniel 2, chapitre 19 à 23. Il bénit le Dieu d'Abraham. Que c'est lui qui met les rois au trône. Que c'est lui qui les détrône. Qu'il a des grandes choses. Que chez Dieu, tout ce qui est ténèbres est lumière chez lui. Qu'il faut que les gens croient à tous ceux qui sont le Seigneur en train de leur montrer, en train de leur dire. Il m'a embrassé, on s'est embrassé. Il y avait une joie, je ne sais pas comment. Alléluia, alléluia. Chrétien, pardonnons-nous les uns les autres et restons ensemble la joie, la main dans la main. Alors, quand tu vois Daniel, il y avait une joie en moi. Je ne sais quoi dire. Alléluia, alléluia, alléluia. On était très contents, je ne sais pas comment le dire. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Noé. Noé, quel Noé? Noé, Noé, Noé. Et Noé me donne Hébreu, il m'a donné ce verset, Hébreu 11, verset 7, de dire, à mon temps, c'était la même chose. Dieu m'a dit en révélation de construire l'arc. Mais les mesures que Dieu m'a données, je les fais textuellement. Et il me dit, va dire, exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Et quand lui aussi, il avait respecté, il avait trouvé faveur de la part du Seigneur. Il y avait une joie qui était en moi. Je ne sais pas comment décrire cette joie. Je ne sais pas comment le dire. Ma soeur, mon frère, il faut que toi, moi, si on se verra au ciel, tu sauras ce que tu as te dit. C'est une joie incomparable, insondable. Alléluia, alléluia, alléluia. On m'a amené avec quelqu'un qui s'appelle Job. Quand tu vois Job, tu prends que c'est un vieux. Non, 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 non. C'est un jeune. Job m'a donné un verset. Job, chapitre 2, verset 3. Job était intègre, juste. Il n'avait pas peur de Satan et de ses manigances. Peu importe la souffrance que tu vas endosser. Mais il faut qu'il y ait confiance, qu'ils aillent pour appuyer Jésus. Il ne faut pas qu'ils aillent en enfer et tourner leur regard sur Jésus. Mais non, qu'ils viennent au ciel. Il y avait la joie, 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 la joie. Alléluia. Et j'ai vu quelqu'un qui dansait. La personne dansait. Il me dit, demande lui-même. Il s'appelle David, le roi David. Alléluia. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Alléluia. Quand tu vois David, tu crois que c'est un enfant de 11 ans. Mais il était très beau, très beau, très beau.
on s'est embrassé. Et David me dit, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. 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 Qu'il a eu le ciel. Alléluia. Alléluia. David était très, très content. Il avait une joie au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que je vois comme ça? Qu'est-ce que je vois comme ça? On m'a encore montré une femme, une jeune fille. Non, non, non. Les femmes sont belles au ciel. On me montre, je me dis, est-ce que tu connais celle-là? Je ne sais pas. On me dit, c'est Marie. Je voulais m'incliner. Et il me dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est Jésus seul qu'on doit adorer. Nous sommes des frères et sœurs. Marie me dit, donne ce verset aux gens. Jean 14, verset 6. Et Jean 14, verset 13 à 14. Que Jésus seul est le chemin, la vérité, la vie. Que nul ne viendra au Père que par Jésus. Jésus a dit que en 13, 14, que tout ce que nous allons demander, il faut que nous l'allons demander, nous le demandions au nom de Jésus. Que tout ce qui prie à mon nom, je ne vois rien, je ne connais rien. C'est Satan qui les trompe pour les amener en enfer. Nous sommes des frères et sœurs. C'est Jésus seul qui est en qui nous devons prier. Quand j'ai dit à Jésus de faire du jeûne, non, 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 non. Il faut que nous prions au travers de Jésus. Elle avait la foi que Jésus pouvait faire quelque chose. C'est ce qu'elle avait fait. C'est à Jésus seul qu'on pouvait s'incliner. Ah là 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 là. On s'est embrassé avec Marie. Marie était belle. Marie était belle. Dédiée à tous sur cette terre. S'ils veulent me voir au ciel, qu'ils croient seulement en Jésus seul. Qu'il croit seulement en Jésus seul. Qu'elle aussi nous attend. Que tous ceux qui font ces statues, qu'ils arrêtent de faire tous ces statues. L'idolâtrie, toutes ces choses-là, il faut qu'ils arrêtent de faire toutes ces choses-là. Que tout cela, ça vient de Satan. Marie était très contente. Je ne peux pas, je ne sais pas comment te le dire. Marie était très belle. Je ne manquais pas à le regarder. Elle n'avait pas de chien, de boucles d'oreilles. Elle n'avait rien. Elle était naturellement simple. Avec sa robe qui était très très vraiment avec du lin fin. On m'a dit de le quitter. J'ai encore vu quelqu'un. Ce que j'ai vu sur cette personne, toute sa tête était blanche, mais très jeune, avec des cheveux blancs. On m'a dit que ça, c'est le père des gens de la foi. C'est-à-dire Abraham. Que la seule personne, je voulais m'incliner. Il a dit non, 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 ne fais pas. La seule personne à qui on doit s'incliner, c'est Jésus. On s'est embrassé. On était dans la joie. Le père Abraham. Qui nous attend tous. Qui nous attend tous. Il m'a donné ce verset. Genèse 22. Verset 17 à 18, que Dieu l'a béni, il a béni sa génération, que sa génération va dépasser le sable de la mer. Musulmans, il appelle les musulmans à donner leur vie à Jésus, que c'est que lui qui a donné naissance à Ismaël, il a donné naissance à Isaac, mais que eux seuls croient en Jésus-Christ pour venir au ciel. Que toutes ces générations, qu'ils viennent au ciel. Alléluia. Que les musulmans viennent croire en Jésus pour venir me voir ici. Qu'ils entendent tout le monde ici. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment le décrire. C'était vraiment merveilleux. Il y avait une joie, une joie, une joie, une joie. Alléluia. J'étais très fier. J'étais joyeux. Jésus voulait me dire quelque chose. D'aller dire tous ceux avec qui j'ai fait l'expérience, dis-leur de s'humilier
Certains, c'est l'amour de l'argent. Certains, c'est l'orgueil. Certains font leur propre volonté. Ils pensent que quand ils ont visité le ciel, c'est fini. Mais non, ils ne veulent plus être enseignés. Ils disent que tout ce qu'ils ont vu, seulement c'est fini. Mais non, c'est faux. Il faut qu'ils s'humilient pour venir au ciel. Jésus me dit, retourne pour aller dire à tous ces gens qui leur a montré l'enfer, le ciel, différemment. Que c'est un seul ciel. Que ce n'est pas une seule personne qui a écrit la Bible. Ils ont écrit la Bible différemment. Et ensemble, c'est devenu une Bible. Qu'ils reçoivent les témoignages différemment. Mais ceux qui j'ai amené au ciel et l'enfer, ce serait très difficile pour eux de venir au ciel et de finir. Parce qu'ils sont orgueilleux. Car il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mes frères, mes soeurs, toi qui Dieu a amené, le Seigneur a amené au ciel et en enfer, humilie-toi pour que nous puissions aller ensemble au ciel. Ce n'est pas que nous sommes plus meilleurs que les autres. C'est maintenant que nous allons travailler. C'est maintenant que nous devons gagner les âmes pour Jésus dans le monde entier. Jésus veut que nous soyons un. Alléluia. Je ne sais pas comment décrire la joie. Je ne sais pas comment est-ce que je dois décrire cette joie. Mais ma prière pour moi, c'est que ceux que Dieu a amenés au ciel en affaires, que nous soyons unis, que nous nous promenons dans tout le monde entier pour gagner les âmes pour Jésus, que nous proclamons son amour, que tous ceux qui aussi et qui écoutent aussi cette parole, qu'ils s'unissent. Alors le diable ne pouvait pas trouver des gens pour l'amener en enfer. Jésus nous a fait la promesse du ciel. Il nous a tant aimé. Je vais chanter une chanson. Jésus m'a aimé, mais je ne sais pas pourquoi. Jésus m'a aimé, mais je ne sais pourquoi. Sur la montagne du Calvaire, à la croix, Jésus m'a tant aimé et je ne sais pourquoi. Alléluia. Il m'a aimé, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Jésus m'a aimé, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Au calvaire, sur la croix, alléluia, il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Je ne sais pourquoi. Alléluia, alléluia. Il m'a aimé, il m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Jésus nous a aimés, toi et moi. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi. Alléluia, alléluia. Sur la montagne du calvaire, alléluia, à la croix, il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, et je ne sais pourquoi. Alléluia, alléluia. Jésus nous a aimé, mais pourquoi il nous a tant aimé de la sorte? Il est venu donner sa vie pour nous. Oh, tous, unissons-nous, pardonnons-nous les uns les autres, afin que nous puissions vivre dans la vérité, dans la justice. C'est tout ce que le Seigneur Jésus veut de nous. S'il sait que nous ne pouvons pas le faire, il ne va pas le demander. Il sait que nous pouvons le faire. Ô chrétien, toi charlatan, repentez-vous. Unissons-nous au nom de Jésus. Confions-nous à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te répète cette parole. Seigneur Jésus, je viens vers toi, que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie pour que je puisse vivre pour toi d'éternité en éternité. Seigneur Jésus, ne permets pas que j'aille en enfer. Je veux, moi aussi, veux vous voir le ciel. Fais-moi grâce. Je viens vers toi. Pardonne-moi tous mes péchés. J'ai remarqué que je suis pécheur, mais j'ai écouté que tu es mon pour mes péchés. C'est pourquoi reçois-moi pour que je sois pour toi. Tu me dis que tu as honte de toi devant les hommes, que toi aussi tu auras honte de moi devant le Père et les anges. Mais je n'ai pas honte, c'est pourquoi je te donne mon âme, ma vie, que tu sois le roi sur ma vie, pour que moi aussi je puisse venir régner chez toi au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie que tous ceux qui t'ont reçu en tant que Seigneur Jésus, que ta lumière lui au milieu d'eux, que tout ce que l'ennemi a mis dans leurs pensées, Seigneur, qu'il devienne le sien, qu'il comprenne toutes ces choses, tout ce qui est esprit de mensonge, Seigneur, que je prie que tous ces esprits-là s'éloignent de Dieu et que tu les tiens par ta main. Père, merci
que tous ceux qui ont écouté ce témoignage, tous ceux qui sont au Togo, en Afrique, dans le monde entier, tout ce que le Saint-Esprit soit derrière ce témoignage pour que le monde t'appartienne, les présidents, les généraux, les ministres, les colonels dans le monde entier te reviennent. Seigneur, merci, car tu l'as déjà fait. Et je sais que nous tous, on viendra régner sur tout. Tous les démons, les puissances qui vont se lever contre cette témoignage, j'invoque le feu de Dieu sur eux, car je sais que Jésus va agir. C'est avec ce sang, j'invoque le sang de Jésus. C'est avec ce sang qu'on a vaincu le diable. Satan a joué. Le dragon, l'ancien serpent, tout ce qu'ils vont faire pour éteindre ce témoignage ont échoué au nom de Jésus. Je prends l'épée de Jésus, que l'épée de Jésus découpe ces démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, merci, car tout où ce témoignage va aller, tu vas racheter, tu vas gagner toutes ces âmes, Seigneur, pour toi. Seigneur, je te glorifie infiniment, je remercie, je prie, amen, que tous ceux qui veulent aller au ciel disent amen, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Merci à vous tous. Vous êtes richement bénis. Alléluia. Amen, amen.